Bonsoir tout le monde. 25 octobre 2020, pour une nouvelle conférence sur la plateforme Haïti et du Action. Encore une fois, merci pour votre présence. Nous. Merci tout pour tant nous faire passer ensemble. Nous saluons. Nous. Et je dis, avant de commencer, nous faisons une petite pause tout petit. Non pas pour nous faire un bilan, mais pour nous faire un remerciement spécial. Et en général, nous avons choisi certains participants. Je dis à nous faire un petit campé, son bagage, son moment très fort et très spécial qui permet de nous introduire et faire mise en contexte conférence jeudi. Haïti du Action créé en 2012 et depuis lors, c'est toujours non-stop que nous débattons nos missions pour partager information avec compatriotes dans la communauté. Et si Constantio te permet, puis fort intervention, en tout cas activité de fait, c'était toujours live, en direct, en personne et dans des divers espaces que nous avons fait. Alors que nous avons plusieurs activités qui étaient programmées, que ce soit en mai, que ce soit en avril, nous avons plusieurs events. Tout, nous tous connaissons COVID-19 a décidé autrement. Et c'est dans une conversation, avril 2020, qui a gagné entre Medjin Banks Philippe, Clara Belogil, ak Nadej Bozil et que décision ak l'idée pour nous organiser une conférence sur plateforme Zoom en ligne te vini et Nadej Bozil te sur le champ partager avec reste équipe Haïti du Action hein? Et tout bagay t'a pral commencer le 17 mai, dans l'occasion fête drapeau, avec une présentation qui était faite sous conférence en circonstance, qui était faite par Dr. Jean Fizemé. Donc, avant de continuer, Nadej, c'est en dan lié comme membre. N'a pas un remerciement spécial à Medjin Banks Philippe, à Clara Belogil, qui était à l'origine tout de l'idée ça, qui pouvait saisir une opportunité. En dedans une situation de crise et qui te permet tout nous-mêmes l'Haïti éducation nous t'arrêter en ligne droite à conviction nous à toute valeur que n'a charrié à toute ça nous toujours qu'on a fait et c'est depuis l'heure sans arrêter n'a fait une deuxième pause pour nous rendre hommage à un monde et c'est conférencier nous aujourd'hui à parce que l'un te souhaitait présenter chaque deux dimanches. Il te dit non, jamais de la vie, il n'est pas intelligent. Il ne te dit seulement comme une suggestion, il te joint la parole aux actes, non seulement il met tête disponible chaque dernier dimanche du mois dans la conférence, mais il mène pour nous tous plusieurs autres conférenciers aussi professionnels que lui-même avec des sujets aussi extraordinaires que ça nous besoin d'entendre dans le moment que nous avons traversé là. Raison, c'est que dans l'introduction que nous avons fait, nous avons signalé que la pandémie, nous avons fait une hypothèse que nous avons considéré comme positive, c'est que nous mettons face à la tête nous. Et nous mettons face à la responsabilité nous, surtout la question santé nous. Et nous avons analysé, pour prendre une position comme ça, pour assumer, nous avons besoin de grandes choses. Bon genre information. Volonté par contre, il faut gagner l'autre outil avec ça. Et l'on pas gagner ou fait face à youn nan élément plus dévastateur dans la vie qui c'est stress. Imaginez une quantité moun qui jusqu'à jodia par manque d'information a mouri en bas stress parce que connaît ou gagner un danger que pandier sous tête chaque jour la mi temps crise pandémie ça. Imaginez une quantité de monde tout
que en plus de stress ça laisse à frapper yo quand tu t'es monde qui allait plus vite m'a dit aller plus vite qui mourit plus vite parce que stress là au niveau là vient arriver li quand même considéré qu'on on circonstance aggravante quoi ça n'ta carré en terme technique maman des docteurs Sangos excuse une comorbidité. Imaginez tout dégât que stress a fait le ou pas gain information. Et n'a rend nous compte que jodi a gens en pile en nous malgré nous dans situation difficile mais nous senti plus ou moins que n'a fait face à elle n'a kembé parce que nous partager en pile information clé sous situation critique n'a traversé a. Ti bien-être ça ti break ça que la vie en fait nous joindre puis gros utilisation qu'a fait avec c'est partager à un autre monde jodi a puis gros mission tomber dans main nous c'est solidarité nous pas qu'a dit nous pas de bon chance dans communauté hein pour nous jouer un rôle clé qui c'est solidarité. Donc, puis gros remerciement et valorisation que nous sommes capables de faire avec les professionnels qui viennent là régulièrement pour partager des informations clés avec nous, eh bien, c'est fait que le plus de monde possible joigne information ça yo, partager yo, pour qu'elle partager avec l'autre monde. C'est ça que nous faisons, fond rituel. Au début de chaque conférence, nous avons toujours rappelé nous nécessité pour nous inviter l'autre monde prochaine fois nous venons là. Lundi, yon l'autre monde au minimum. Mais si nous avons invité 10, 20, pas hésiter à faire, ça a soulagé. Et l'on moun gon information le partage, li soulagé plusieurs l'autre monde encore, c'est ça a prélé duplication. Jodi a, en conformité à mois d'octobre, qui c'est moi qui consacré à cancer sein, cancer tété, conférence n'a déroulé sous sujet ça. Mais nous avons remarqué que nous avons parlé d'une maladie qui est liée en grande partie, encore je demande à Dr. Sangos, excusez-moi, qui est liée en grande partie à mode de vie. Et nous avons quitté le domaine médical là, tranquille, nous avons fourré maintenant deux situations qui permettent nous d'appuyer ça nous dire. Première, c'est si nous faisons un coup de jet dans l'histoire et nous avons gardé l'évolution de la société. Mode de production yo, pratique sociale yo vient changer et puis n'apprenne nous compte les marchés contre tout avec une croissance ou un accroissement de certaines formes de maladies dont ça n'a pas parlé de li jodi a. Deuxième bagage qui ka permet nous wè ça tout, c'est une petite analyse comparative que nous capable de faire puisque mode de vie pas uniforme tout partout et ben l'un prend des milieux qui ont des modes de vie différents et puis n'a gardé na wè mode de vie différents. Eh bien, statistiques sur maladies, certaines maladies différentes. Tout. Sans nous pas rentrer dans certaines prédispositions biologiques qui sont capables de faire que les gens qui sont plus faciles exposés à un bagage qu'on l'autre. Sans nous quitter pour le docteur Sangos qui a parlé intervenu pour nous après. Donc, malgré que dans Haïti et du action, nous toujours gagnons une petite réserve sous un mois pour l'homme. Un mois pour une maladie, un mois pour un groupe, pour une communauté, un mois pour ça, alors que c'est des bagages qui sont associés là en permanence. Mais tout autant bagages n'ont pas changé, eh bien, il est intéressant que nous flouons avec pour nous capables de contribuer à changer la pratique ça, côté que nous avons fait mieux que un mois, un jour, conférence. Et c'est ça que fait le nom Haïti Education, on a dit que venons. Et nous connaissons vœux intervenants tout, conférencier. Venons, c'est que conférence jodi a constitué une étape de plus qui est capable de permettre nous aller vers une prise en charge totale de santé. Nous. Un changement total d'habitude, ça nous paraît un changement de paradigme qui est capable de garantir nous une meilleure qualité de vie pour nous capables de mener bataille nous mener avec la vie, tant pour tête nous que pour la communauté nous, pour nous mener plus bien. Avec plus bonne santé, avec plus force. Conférencier nous aujourd'hui a étudié médecine interne à l'hôpital Université d'État d'Haïti et il fait résidence à Saint-Marc, Haïti.
Il étudie médecine interne ici aux États-Unis, 4 ans. Englewood Hospital, New Jersey, St. Barnabas, Bronx, 3 ans. Le Critical Fellowship, il fait Critical Care Fellowship dans Montefiore Hospital, Bronx. Pulmonary Fellowship, il fait St. Luke's Roosevelt Hospital, Manhattan. En 1994, il initie Private Practice dans New Jersey. Li board certified la internal medicine, la critical care medicine, la pulmonary disease, et li board certified la holistic integrative. Docteur Louis Sangos a pratiqué médecine de 77 à date, sa baille en moyenne 43 ans de pratique. Un habitué de la maison, nous pas jamais suspendre fin dit merci. Li c'est parti dans l'émission, hein? Li c'est un pilier qui a des questions ça à tout. Prends plume non, prends papier, écris question pour interaction au cas le plus profitable possible. Pendant que n'a pas rappelé certains monde que si pour raison y aura raté un bon monde qui rate ton émission, vous voulez faire retendre Eli New Jersey ou bien y online, y aura online dans www.radioolivier.com émission ça yo. Audio, yo reprenne mercredi 1h, 3h de l'après-midi, jeudi 10h du matin midi et samedi 7h du soir pour 9h. Maintenant, nous, joignez voix dans voix moins pour nous dire merci d'avance et bienvenue à Dr. Louis Sangos. Merci. Yes, Rossini, remercie Haïti et Dieu Action. Et n'a remercié et tout participant qui a soutenu l'émission parce que nous pensons que son bagage est très important pour nous joindre support yo. Et tant que Rossini te dit l'important que nous et mandé l'autre monde pour participer parce que avant tout émission ça c'est pour nous que lié, c'est pour communauté haïtienne que lié. Et moi octobre là nous t'ai supposé c'est moi cancer, nous toujours font bagarre avec Haïti et Dieu Action le mois octobre là et c'est avec plaisir que n'a participé jodi à l'un programme breast cancer du sein. Et premier bagarre que n'a demandé en général tout le monde qu'on demandé par exemple qui ça cancer y en général. Eh bien cancer c'est leur on cellule par exemple divine sous effet mutation, n'a regardé ça. Et puis cellule là vient abnormal et puis l'ivita out of control, c'est-à-dire que cellule là continue à multiplier et elle pas prend l'ordre dans mes personnes et c'est le ça que ou vient gon cellule ou gon cellule cap normal qui va développer ça nous relie cancer là et yo mande comme si qui genre que ou cellule qui normal qui genre vient une cellule cancéreuse et bien ça et ça relie que ou gain des changements permanents qui viennent faire dans DNA cellule là pas vrai et côté que li cap pour venir transmettre li à l'autre cellule encore. Pour mutation, ça a eu besoin qui changement dans le DNA, ou besoin d'eau à peu près 1 à 10 mutations, pas vrai, avant que cellule tourne en cellule cancéreuse. Ou bien deux types majeurs de mutations, ou bien ça a eu les germes, la mutation qui involve des mutations qui involve sperme ou bien aigle. La. So, ça veut dire que songez que cellule initiale qui va le faire timoun, c'est combinaison aigle avec sperme, sur l'heure ou bien germe, la mutation, toute cellule dans le corps, gain abnormal gène ça tandis que l'organ somatique mutation li gain doit intéresser un groupe de cellules eh bien le ça ou vin son seul groupe de cellules qui subit effet génétique ça en principe caractéristiques par exemple une cellule cancéreuse gain des caractéristiques très importantes que pour nous toutes comprendre c'est que premièrement nous sommes dit que li out of control. En général, une cellule gon leur l'arrivé pour mourir, y aurait les ça apoptosis. C'est-à-dire que les programmer, cellule là programmer, ça veut dire que autant mettre ba cellule là toute ça le besoin net et puis il pas soumettre à aucun effet nocif. Et bien cellule ça gon leur la privé la mourir quand même malgré rien toute bagaille pour ta survivre parce que cellule là programmer. Deuxième caractéristique sur cellule cancéreuse là li pas mourir gade le nous te mette une première fois l'on t'a fait nous te mette immortel mais nous pas mettre l'immortel parce que l'homme est moelle ou bien s'utiliser cancer ou ka fin pas détruire cellule là. So pratiquement
c'est si qu'on pas fait rien pour lui, eh bien c'est juste dans le tuyau, c'est le ça tout que lui-même libre aller. Deuxième bail qui caractéristique cellule là, c'est que cellule là li gen droit comme si m'ta kadou là entrer dans tissu qui est à côté lui. Il pas poussé non, l'entrée là-dedans. Et sous garde ça, c'est là qu'on gagne nos cancers là, sous garde signe cancer là, on regarde ça. Eh bien, cellule ça li invade tissu qui est autour lui. C'est ça qui fait reler li vin invasive. Non seulement comme si qu'on y a là li vin invasive, mais li gon l'autre caractéristique encore. Par exemple, nous ka prend opportunité pour différencier ça avec ce relé un tumeur béni. Par exemple, de pour qu'on paquet cellule qui a multiplié, yo bon un tumeur, mais toute tumeur pas cancer, ou ka gon tumeur béni. Tumeur béni lan li même li ka pousser l'autre tissu. So ou ka gon tumeur béni qui l'on espace tant que cerveau, li vin gon comportement qui difficile parce que cerveau ou pas capable expand tête là, pas vrai? So li gen doit causer un paquet de problèmes. Mais en général, tumeur bénin, par exemple, ou un monde qui fait lipome, tumeur graisseuse, ou bien doit un gros boule, ou après l'a grandi, l'a poussé l'autre tissu, mais il pas entré dans l'autre tissu. So, ça sont l'autre caractéristique. Et l'autre caractéristique encore, cellule cancéreuse qui doit quitter côté lié et puis l'a établi l'autre côté. C'est-à-dire que n'a pas parlé de cancer du sein, ou qu'il y a un cancer du sein là et puis il quitter côté lié et puis ou joindre ni l'enfoir. Ou al jwenn ni lan zoa, ou al jwenn ni lan poumon. Et lè ke patologiste lan, si yo ta jwenn moun nan vin avec un lésion lan poumon, et puis yo font biopsie lésion lan poumon, yo pa dou se cancer poumon. Yo pral dou se cancer du sein, son métastatique, c'est cancer sein qui rive lan poumon. C'est ça relé comme si le cancer là gen un métastase. Ça ou pa jwenn ni lan cellule normal yo. Ensuite, il y a certaines caractéristiques côté le remè suc en pile, pas vrai? Le oxygène souté ka baisser oxygène n'importe qui cell gon niveau ko baisser oxygène nan ou ka transformer cellule là en cellule cancéreuse et li remet milieu qui plus acide. Non, étant donné que nous parlons parler de cancer du sein mais nous te besoin prendre cancer du sein fait partie de cancer en général, ça me pense que l'était bon pour te montrer en common is cancer. C'est-à-dire que cancer là son bagage nous connaît qui grand pile nous ba en pile statistique sous lui déjà. Nous connaissons que le cancer, c'est la seconde cause of death après cardiovascular disease. So, pralwe que dans le monde entier, ou bien à peu près chaque année, 10 millions de cancers. Chaque année. Et aux États-Unis, nous avons à peu près pour 2020, yo espéré que nous avons gagné 1,8 million de new cancers. Et moi, mettons l'autre statistique en bas pour nous, que nous ne pouvons pas mettre en général, c'est l'antimoun, le jeune, l'adolescent. Et jeune, par exemple, pour être 15 ans à 39 ans, ou gagne 89 500 cancers. Et raison qui fait que l'important pour nous garder aspect ça, gagne pile un cancer peut-être que chez l'enfant, qui en rapport avec peut-être sa maman te manger, le mode de vie de maman, tout bas, so, environnement qui est exposé à l'île de très tôt. Et qui quantité de monde qui espérait en 2020 qu'il mouri cancer, à peu près 606 520. So, ça ba nous que cancer en général c'est un bagage qui est important. Et WHO World Health Organization dit que si pa gen ken comme si campagne de prévention parce que meilleur traitement vraiment n'importe maladie, nous tout connait meilleur traitement c'est prévention. Ça me trouve son bagage extraordinaire, si pa gen ken prévention, yo pense que ou ka gen 20 millions cancers en 17 ans. 20 millions de cancers par an en 17 ans. Ce sont des choses vraiment extraordinaires. Mais ce n'est pas surprenant parce que nous connaissons que dans le pile chimical, les États-Unis, pour qu'on parle de 80 000 chimicals, en pile pas jamais testé sur l'homme. Nous connaissons que le terre a pollué. Nous connaissons que la mer a pollué. Pas vrai? Nous jouons plastique dans toute bagaille et nous connaissons que plastique, il y a une substance là-dedans qui est xénoestrogène qui contribue à cancer. Ce n'est pas étonnant vraiment parce que nous connaissons que Jean d'exposure ça yo, li prend un petit temps avant que moun nan vin développer cancer. Si nous gardons histoire cigarette, comprendre quelque chose, ou gardons toute histoire hepatitis B virus, ou après que li prend un petit temps avant moun nan vin développer cancer. Et pour cancer du sein que nous avons discuté aujourd'hui, nous connaissons que c'est de most common cancer, c'est cancer qui est plus fréquent, pas vrai, chez la femme, après cancer de la peau. Aux États-Unis, un fils sous 8, ça boit à peu près 12%, a développé sa nourrile invasive breast cancer. C'est-à-dire que cancer qui déjà lui-même
déplacer côté le sortir commencer un tissu environnant commencer à attaquer et on a gagné à peu près 48,000 cancers qui non invasifs qui ont les ductal carcinoma in situ, c'est-à-dire que c'est des tumeurs qui étaient là. Ils ont considéré ça comme santare les de précancéreux les jeunes, c'est-à-dire que ils ont pas qu'à dire gagnent qui capable aller j'aime développer cancer, mais ils ont une proportion en pile qui a tendance pour développer cancer. Et parfois garçon yo ka pensé que yo pa gen cancer mais en 2020 ou pa gen 2620 garçons qui a développé cancer. Bien entendu, ou pa voir que c'est seulement 1 sur 883 en général, c'est lifetime risk garçon alors que c'est un fils sur 8. Qui quantité monde que espéré en 2020 qui ka mouri de cancer du sein, yo mette nous à 42,179. Et on ti parenthèse c'est que cancer du sein malgré c'est de most comme c'est cancer qui plus commun pas vrai chez la femme mais il pas cancer qui tue par exemple plus fille c'est cancer poumon qui style cancer qui tue plus fille ensuite cancer du sein tout c'est pas cancer comme si c'est pas maladie qui tue plus fille par exemple si vous regardez ça c'est un fils sur 38 qui va mourir cancer du sein et en général c'est un fils sur 5 qui va mourir de maladie cardiovasculaire malgré nous peut cancer en pile. Mais maladie cardiovasculaire là fait beaucoup plus de ravages. Et qui quantité monde aux États-Unis qui vivent avec cancer du sein, pas vrai? C'est soit monde qui ont été traité déjà ou bien monde qui a traité actuellement. Nous avons à peu près 3,5 millions. So, nous voyons que son bagage extraordinaire parce que l'homme était 3,5 millions. Ou garde monde qui a traité là. Mais nous tous connaissons que si on monde fait cancer en dedans ou caille, eh bien c'est tout caille là qui affecté, c'est toutes amis qui affecté. C'est co-worker qui a affecté. So, impact vraiment cancer là, il pas seulement sur le monde qui est victime de cancer là, mais il a un impact extraordinaire sur la société. Now, nous faisons ça par définition cancer, nous faisons ça par caractéristique de cellule cancéreuse. So, est-ce que breast cancer, c'est juste breast cancer, c'est une maladie que lié? Eh bien, mettez slide ça pour contre lui, c'est pour me faire comprendre la complexité breast cancer du sein. Breast cancer n'est pas une maladie. C'est un groupe de maladies que lié. C'est tellement son maladie extrêmement complexe. Son maladie qui m'a donné spécialité, même une spécialité dans le breast cancer, dans le cancer du sein. Son maladie extrêmement complexe, et c'est ça que fait de mettre, it's not just one disease, but a group of diseases. Et là, qu'on y a, nous pourrons regarder comme si on sait de détails, nous pourrons comprendre pour qui ça que moi dit ça. Parce que nous connaissons la communauté noire et peut-être l'autre communauté tout. Leur ou dit au monde souffre en bagaille, les gens doivent dire oh, je souffre à tel bagaille, c'est tel bagaille qu'ils font pour moi. Qui j'ai un docteur là va faire tel bagaille? Eh bien, pas qu'à dire ça pour cancer du sein. C'est même avec anémie. Ou pas qu'à dire ça pour cancer du sein. Parce que nous avons un diagnostic cancer du sein, mais chaque cancer du sein son cancer du sein. Et nous devons dire que le cancer du sein, one size does not fit all. Ou pas qu'un traitement, one size fit all. One size does not fit all. Si un message que moi voulais nous kimber, nous-mêmes, Captain Dale, c'est comprendre que son groupe de maladies que lié, son maladie extrêmement complexe. Et facteur de risque vraiment que nous gagnons pour nous faire cancer du sein. Parce que c'est premier bagage, nous t'aimé qu'on est. Qui facteur de risque? Et si nous t'aimé facteur de risque, et puis nous t'aimé pas gagner cancer du sein, eh bien, nous t'aimé en forme. Il y a des facteurs de risque ou pas qu'à modifier. Par exemple, ouais, une sorte montre, son fille, c'est 1 sur 8, garçon 1 sur 883. So, deux facteurs qui sont plus importants, pas vrai, comme facteur de risque, cancer du sein, eh bien, c'est son fille, pas vrai, et puis c'est l'âge. C'est deux facteurs qui sont plus importants. Quand il y a là, sous une histoire familiale, ou a une augmentation de risque de cancer du sein. On a regardé ça tout à l'heure, par exemple, génétique. Pas vrai? Il y a des transmissions génétiques, ça nous relie hereditary breast cancer, mais qui n'est pas vraiment en pile, c'est un bagage 5%, il y a 5 à 10%, mais less than 10%. So, ce qui signifie que less than 10%, 90% vraiment pas hereditary breast cancer. Et là, nous dit ça, ce n'est pas vraiment cancer la co-inhérité, non? Ou génétique, prédisposition génétique là, parce que c'est pas tout le monde qui a gene ça, pas vrai, qui a développé cancer, il n'est pas 100%. Ensuite, au monde qui a une histoire de cancer du sein,
un monde qui te fait un cancer du sein, il toujours gain plus risque pour développer un autre cancer du sein. Ça veut dire que il gon gens pour le comporter li. Monde par exemple qui recevoir radiation, qui fait X-ray radiation dans et chest là comme ça et même toujours dit ça, trouve que au mande mesdames pour faire par exemple cap travail qui CNE, cap travail dans nursing home. Chaque presque chaque temps mon positif pour manteau il pas aucun symptôme moi pense que fait ex radiographie trop souvent à exposer breast comme ça ou bien par exemple technicien qui travaille comme si radiographie technicien il y a plus risque pas vrai pour développer cancer en général au monde par exemple tout qui fait ménopause très tard au monde qui fait ménopause très tard et raison c'est parce que cellule C1 exposée à œstrogène beaucoup plus longtemps et moun sa li at risque. Et ça, ce sont des bagages qui sont importants pour qu'on ait, parce que ou pas qu'à modifier li, mais cependant, ou ka gon comportement qui diminue chance pour développer. Et gon l'autre bagage que y a parlé tout, que y a étudié, nous pas gantan wel en détail, mais genye sa nou rele de breast microbiome. Gon série de bog qui habite breast la, yote pense que ba etan kou breast tissu, que bagage sa yote stérile. Bay se yo pas stérile lan jan moun yo comprend nan bay sa yo gen flore yo gen flore microbien yo et yo pense que ça ka jouer un rôle pas vrai lan ni réponse à traitement ni lan cancer ça ce sont des bagages que n'ap suivre ensuite gen OK sans suite gen des facteurs ko ka modifier par exemple facteur modifié wet lan parfois li difficile mais son bagage ko ka travail sou li pou est sou ka modifier et ça met là me penser que li pa c'est moun n'a pas responsable vraiment par exemple moun qui pas j'aime gon full term pregnancy et moun ça et cellule sain yo exposé à estrogène pendant plus longtemps même j'en tout moun qui gen fait ti moun tracteur gen des moun par exemple qui involve nan travail yo nan bay profession yo dit que bon m'pa fait ti moun m'a commencé fait ti moun à 35 ans des bay comme ça le moun n'a prend décision ça parfois son décision que moun nan prend mais faut moun nan connait que gon comportement pour gagner peut-être pour laisser balancer parce que li augmenter risque li automatiquement que le fait ti moun ta li augmenter risque li même j'ai un tour que des moun k'ap travail supposons que moun nan travail Manhattan moun nan pa ka prend trop longtemps hors et dehors et ou bien que moun nan pa gen assez de lait ba comme ça moun nan konn pa et breastfeed ti moun nan pa ba ti moun nan tété pendant assez longtemps k'ap bal tété pendant 6 mois ba comme ça. Plus ou bâti moun tete longtemps, c'est moins qu'on diminue et plus qu'on diminue risque pour développer cancer du sein. Ti moun tout par exemple qui gen règle yo bonheur, ça pas de la modifiable factors ça parce que c'est pas ti moun qui est responsable. Raison fait me mettre là, c'est parce que dans pile parents malgré que nous dit ça, yo bâti moun yo manger trop fried chicken, trop turkey, trop manger qui gen hormone là-dedans. Moi c'est que son bagage pour nous devenir conscient de ça. Ou ti moun yo jeune ti moun sa yo k ap gen reg yo koun ya a 9 ans immédiatement que ti moun nan gen reg li a 9 ans ti moun sa li on target déjà pour li gen une augmentation de risque et ça son bagage que parents yo même ta ka modifier l'autre facteur de risque encore que nous ta ka modifier que nous ka dit c'est par exemple moun ka prend hormonal replacement et moun qui par exemple moun qui fait ménopause yo mais yo gen trop bouffée de chaleur et y a prend hormonal replacement bien que koun ya la gote go augmentation de cancer du sein parce que moun ta prend hormone ba comme ça mais te gen progestérone tout la dan et te gen dose la tout so yo pense koun ya que œstrogène nan sou prend low dose 1.25 moins quoi et risque lan pa aussi élevé. Et fille par exemple qui boit alcool, gade l'heure ou passe dans le restaurant côté que gien bar dans restaurant, mais ça quand et on bagage intéressant c'est que dans bar ça le plus souvent nous est plus fille que garçon dans bar ça. Et alcool joue un rôle important dans cancer du sein chez la femme. Il joue un rôle important. Par exemple, dou que ou pas ta supposé prendre plus que un verre de vin. Et comme du vin li même rouge dans le respiratoire li ka essayer balance li ka balancer li pas vrai mais yo dou que dans pile monde qui dou si ou son monde qui gen family history ou gen histoire dans la famille ou gen risque ou gen l'autre risque pour faire cancer du sein pas prend alcool et si ou son monde fort pour alcool quand même et bien prend vin rouge là c'est mieux c'est lui même pour t'apprendre
Ensuite, manque d'exercice, son bagage que nous travaillons sous lit, il y a pas le de entre 4h et 7h temps par semaine. Nous connaissons que l'exercice définitif les diminue le cancer, les diminue Alzheimer, les diminue comme si les diminue les maladies cardiaques, pas vrai? Et nous connaissons que smoking augmente presque 17 cancers. Moun qui bat en vitamine D, par exemple, ça son bagage que nous en pile. Bon, pendant période COVID, là, on moun qui quitte vitamine D au bas, c'est parce qu'on a besoin de COVID à l'avoir. Parce que vitamine D a un rôle extraordinaire que joue dans COVID. Là. Mais vitamine D joue un rôle en pile dans la protection contre le cancer du sein. Et l'heure où que vitamine D, en général, c'est 30 à 100, mais même je vais suggérer, mesdames, qu'il y ait vitamine D dans 75-80, qu'il y ait vitamine D dans l'eau. Parce que définitivement, il facilite la différenciation cellulaire. Les diminuer cancer du sein. Seul bagage, seul petit note que n'a pas mettez dans ça, c'est le fait que l'on prend vitamine D, toujours assurer qu'on prend vitamine K2, parce que avec vitamine D, on absorbe tant de calcium que les cap vient accumuler dans le vaisseau. Or, vitamine K2 a, la fait calcium dans le zo et la empêche calcium accumuler dans le vaisseau. Ensuite, nous avons tout que monde qui night shift worker, pas vrai? Moun ki expose à lumière à souhait et yo pense que ça a un rapport avec mélatonine. Yo pense que moun ki travaille la nuit, y a tendance fait plus cancer du sein que moun ki travaille la journée. Li ka pas aussi fort, mais en général, cancer son bagay qui multifactoriel. Gede lò pa ka met moun sou yon bagay qui fait moun nan gen cancer, mais lò prend histoire moun nan, ou ka wè gen plusieurs facteurs qui contribuent à ce que moun nan développe cancer là. Obviously, nous n'avons pas besoin de parler de eating unhealthy food, tout manger qui a pile graisse, comprendre un pile sucre. OK, il y a un rôle plusieurs gens, puis il y a fort point poids, il y a augmenté insuline, tout bagaille ça. Et virus, il y a des gens qui pensent que virus joue un rôle dans le cancer du sein. Et nous connaissons, par exemple, virus joue un rôle dans le cancer. Ou regardez hepatitis B virus, enfin, il y a des combats, par exemple, vaccin pour hepatitis B. Ou regarder comme si HPV, pas vrai, et human papilloma virus, par exemple, un cancer cervical, yo pense que le cas joue un rôle tout le cancer du sein, yo pense que Epstein-Barr virus, mais songez que le regarder des virus, tant que EBV, comme ça, 90% of the world population mondiale, là, gagne Epstein-Barr virus. So, ça, c'est important. Ensuite, dernier modifiable facteur de risque. Pour que ça nous était sous facteur de risque, nous pensons que c'est important parce que ce sont des bagailles que nous avons fait pour diminuer la chance, non? Parce que, comme nous sommes dit, cancer là, le plus souvent multifactoriel. Et mesdames, il y a la cosmétique, dans le pile bagaille que nous apprenons, le manger que nous mangeons, à songer que le manger à nous n'était pas allé pour aller dans www.ewg.org, qu'après nous chaque année. Tout manger qui a tendance gain trop pesticides là-dedans qui interfère avec cellules pas vrai des nous gain chimical et par exemple qui doit former par exemple leur ou griller manger par exemple monde qui fait barbecue il y a monde qui fait barbecue presque chaque jour monde n'a pas réalisé que j'en prépare et barbecue ou gain substance cancérigène même la manger quoi manger ça dit que soit produit qui substance cancérigène nan, l'en manger quoi manger. M'a dit qu'on pas qu'à j'aime manger barbecue, mais faut qu'on connaît que nous pas faire abus de jambes de viande grillée des bails comme ça. Ensuite, par exemple, il y a des monde qui gagne café et gazon yo, moun yo vini, y a spray dans gazon, y a met un série de chimical et bagaille ça yo parfois ou rentre avec dans sous yo, ou rentre dans cave yo, ou bien monde qui dou que yo gagne jardin la caillou, mais moun nan gagne jardin la caillou parfois poser la question est-ce que le sur côté là fait jardin? C'est pas un terrain qui contaminé parce que voisin le vin comme s'il fait gazonni il y a spray chimical et plastique mais quoi que nous te font gros parler sous plastique pas vrai et nous connaît que plastique là son gros problème que lié et li leur pour nous suspendre à faire de convenience ça on ba qui convenient n'utiliser plastique trop plastique j'en rôle en pile lancer de cancer que nous ka gagne et le nous garde cancer, nous avons parlé de génétique. Parfois, nous demandons comme si qui est, puisque nous connaissons que nous avons deux genes, pas vrai, que nous connaissons qui sont assez dominants comme ça. C'est ça, les BRCA1,
BRCA1 listen for breast cancer 1, breast cancer 2, pas vrai? Et nous connaissons que le monde gagne gene sa yo, ou gagne 60 à 80% chance, 70% chance pour développer cancer. Et c'est ça qui fait que gagne des monde, le gagne gene sa yo fait, eh bien, yo fait bilatéral mastectomie, yo retire breast yo carrément, le gagne gene sa yo. So, question qu'on y a là, c'est pas tout le monde, par exemple, on nous pas dit que 100% monde qui gagne gene sa yo capable de développer cancer, mais risque là vraiment son risque prohibitif. Et moun sa yo ki gen risa yo gen pe jusqu'à 40% chance pour développer cancer de l'ovaire. Et cancer de l'ovaire son cancer qui extrêmement le plus souvent le diagnostiqué ou diagnostiqué trop tard. C'est moun ki gen gene sa yo nou rele BRCA1 and 2. En général moun sa yo mande yo pou faire petit bonheur et de telle sorte que yo retire deux ovaires yo by leur rive par exemple à 35 ans déjà yo retire ovaires yo. Now, qui est-ce qui t'a supposé tester? Par exemple, sous son black et woman, pas vrai, ou noir, sous son noir et ou développer cancer à un âge à moins de à l'autre gain moins que 50 ans, ou supposé tester, pas vrai? Si par exemple, ou gain monde la famille qui fait cancer avant 50 ans, ceci que ou noir, que ou pas noir, sous gain monde qui fait cancer avant 50 ans. Si par exemple ou gen moun la famille qui mouri qui fait cancer de l'ovaire. Sou gen moun la famille qui fait cancer de l'ovaire, eh bien mandé pou yo fait test pour génétique testing pour. Si par exemple gon forme de cancer tout qui pa gen marqueur. N'a gade marqueur tout à l'heure, si par exemple ou fait triple négatif breast cancer et ou gen moins que 60 ans, yo mandé comme si pou fait testing. Si la famille ou gagne cancer pancréas, nous connaissons que cancer pancréas son bagage cap monté et nous avons quantité par exemple célébrité, pas vrai, nous connaissons qui mourit de cancer pancréas. L'autre jour, là, un jeune tout africain-américain qui mourit de cancer colon, un acteur qui mourit de cancer du colon. So, sous bien cancer pancréas, colon, thyroïde, la famille, il a dû tester. Si par exemple, ou gagne un monde la famille qui fait cancer dans tous les deux seins en même temps, son indication pour faire test là, pas vrai? Si vous avez un garçon, la famille qui fait cancer du sein, vous supposément de tester. Et bien entendu, nous connaissons que, et juif comme si qui forme Ashkenazi descendant, vous avez presque 10 fois plus, puis vous avez de génétique mutation. Now, songez que BRCA1 and 2 que n'a pas l'air, sont d'une que nous tous gagnons, sont d'une en principe qui sont supposés protéger nous pour ne pas développer cancer. Cependant, ou vin gon broken genes, ou vin gon mutation dans gene ça et mutation ça va transférer à descendant ou pas vrai? Eh bien, c'est ça qui vient passer. Now, nous font ti bay spécialement par exemple for black women pour nous dire que cancer chez la femme moins de 45 ans, les plus fréquent chez les noirs. So ça son bagage les plus agressives et plus fréquent. Now, on va être intéressant, c'est que triple négatif breast cancer, tout, qui plus jeune, plus souvent, plus sky noir que blanc, sont cancers qui sont beaucoup plus agressifs, tout. Pas vrai? Ensuite, il y a parlé que, en général, la femme noire ou gen moun et noir, il mourit plus le fait cancer du sein. Ça, c'est bagage que nous cabalé, c'est de social determinant of health, des bagages comme ça. Et cancer, comme si. Black women, c'est une étude qui était faite en c'est Florida en 2015 qui t'a montré que il était joint que la femme noire gagne plus génétique mutation dans BRCA1 et BRCA2 que blanc. Donc so, tout ça que nous sommes mettre là, ce sont des facteurs qui cap expliquer pour qui ça cancer la plus agressive et pour qui ça que vous gagne plus noir qui mourit de cancer du sein. Now, qui symptômes qui gagnent, par exemple, pour cancer du sein? Bon, symptômes qui gagnent, premier chose que nous parlons, dit, c'est que vous ne doit pas avoir de symptômes du tout. Vous ne doit pas sentir rien. Vous ne doit pas palper sein ou pas sentir rien du tout. C'est ça qui fait que malgré que nous ne sentions rien, il y a des gens qui connaissent un sein et puis Dieu ne pas sentir rien. Je n'ai pas besoin de mammogramme, je ne pas sentir rien. Jusqu'à présent, moi-même, je pense que mammogramme permet que malgré que vous avez tout le monde qui fait cancer du sein, que mortalité a pas plus haut,
parce que l'opre cancer du sein très tôt, eh bien, cancer du sein très tôt, son maladie, qui est malade là de cancer du sein, ou qui guérit de cancer du sein, le ou prend très tôt. So, le fait qu'on passe en temps, ça ne veut pas dire qu'on passe en cancer du sein. Pas vrai? Ou qu'on a senti un lop dans pile monde. Par exemple, il y a des jeunes malades, des gens qui sont malades 39 ans, des malades 35 ans, jeunes monde qui parlent PCO pendant qu'ils sont bien et puis ils sentent un bagage qu'ils n'ont pas senti. Nous sommes j'ai un article qui était paru ton l'heure qui te dit que il doesn't li pa fan ken différence je parle que ça diminue mortalité que mesdames yo fait et self examination pas coûte ken moun kap di nou ça pas coûte ken étude sinale si nous étude ça just pour occuper parce que m'y a plusieurs malades c'est yo même qui découvrent que fait cancer du sein pendant que a bien so ça au cas second bres non ou ka gen douleur yo konn dou que le cancer fait comment son petit lombre en général pas gain douleur c'est pas vrai ou gain doit gain douleur mon n'a qu'avoir un changement comme si dans nipple li li ka boire un changement et li ka boire un discharge tout plein forme nipple li li ka wè tout par exemple un changement dans gens que peau sien paraît tant que sien peau vient paraît tant qu'on pose orange tout ça ce sont des bagages importants et il ka wè tout un changement dans size dans dimension sien so pratiquement toujours payer attention à Séon et depuis où est un bagaille qui pas normal toujours investiguer pas dit que am pas quoi c'est ça ensuite bon l'autre bagaille encore si ou jeune si ou gain 30 ans supposons par exemple ou gain 30 ans ou gain 29 ans ou gain 26 ans ou al jeune un docteur parce que sent ton petit bagaille dans Séon et puis docteur a droit mon cher l'âge ça am pas quoi que sans rien pas occuper docteur. Si par exemple docteur a fait ultrason pour Lydia Samoué en bas quoi sans rien, pas occupé docteur, parce que nous joignons, il y a regardé l'étude qui était faite comme si étude, son sorte d'étude rétrospective qui était faite, ça m'a parlé en Florida côté chez la femme noire là, il était ouais que 40% de ça yo pas de bain histoire familiale de cancer, c'est-à-dire que 85% cancer sporadique, mon n'a pas grand-chose histoire familiale. So pas qu'il t'a ken moun décourager nous gen plusieurs cas si n'a regardé l'son parfois dans YouTube ou quoi gen des plusieurs cas côté que moun nan vin arrivé gen un cancer plus avancé parce que docteur t'a dit à cause de l'âge ou pas gen l'âge là ou pas gen family history ou gen good lifestyle c'est pas vrai ou gen doit gen cancer là. Ensuite gen des mythes n'a tout profiter pour nous prendre mythe yo alors ça c'est malade là même parfois malade là qu'on a dit là ou ta fond mammogramme li di am pa gen cancer en famille. Songez que 80% moun pa gen cancer en famille, pas vrai, yo premier moun ka plan en famille qui gen cancer là. Gen moun qui dou que yo trop jeune, c'est pas vrai. Sou pensez ou ka gen cancer, si gon bagay qui justifie qu'on fond mammogramme et que fait mammogramme là. Gen lifestyle, ça pa vle di, healthy lifestyle là bon, bien manger, ou fait exercice, ou fait tout ça ne sort di là yo. Ou gen doit faire tout ça ne sort di là, mais ça pa bon garantie qu'on pa faire cancer du sein. Nous pas qu'à bon garantie, nous qu'à dire la diminuer risque ou diminuer risque facteur de risque, pas vrai? Ou bien doit palper si on t'a dit ou pas sentir un ancien et ou quand même gon mammogramme qui normal et puis ou bien cancer du sein si ou senti un bagage l'ancien, ouais. Et par exemple, gen moun ki dou parce que ces garçons, par exemple, garçon et diagnostic parfois qu'a fait un petit peu tard parce que moun ka senti un boule l'ancien ni mais li pa paye attention à lui comme s'il pa wè sans rien. So, si ou ces garçons ou attendez ça n'a dit là ou participer songez que ou ka fait cancer du sein et que Anissa il y a à peu près 2600 garçons qui pral faire cancer du sein et tout y a là ou ka arrivé dans l'âge pour faire screening normal là pas vrai screening normal là ou commencer screening normal là gen moun qui dit commencer à 50 ans moi même supposé dans communauté noire là moi même toujours me suggérer que nous commencer à 40 ans. Et en général, self breast examination, ben c'est que l'important que nous faire. Ou gon breast examination by a professional chaque année qui fait. Ensuite, ou gen mammogramme. Yo connaît que 3D mammogramme nan li pi bon que régulier mammogramme nan. So nous même qui rete, par exemple, dans New Jersey, ou KBC connaît qui côté que gen 3D mammogramme. Si gon côté c'est 3D mammogramme que vous fait, eh bien, li mieux qu'on fait 3D mammogramme nan. Parce que sous combiné 3D mammogramme nan avec ultrason nan, eh bien la bo plus bay toujours. So on 3D mammogramme, moun ki gen breast dense breast, pas vrai?
li ta mieux que vous faites tout, vous toujours fait tous les deux, vous toujours fait mammo et ultrasound. Et raison qui fait, par exemple, gagner le tout ou ka obligé faire au fond MRI, pas vrai? Et moi te gon malade qui gen dense breast, c'est pas moi qui te voué le faire, c'est Joanne qui te voué le faire test yo. Et bien, ça qui te vient passer, malade là te gon bagage abnormal dans sein droit. Yo font biopsie pour lui. Malade là dit biopsie a OK, bon li gon relief. Et puis me dit mais s'il est dense comme ça, peut-être que sous sent tu bagage, peut-être que ta ka peut-être font MRI et tout. Et le te fait MRI là, eh bien, Emma a te montre un côté que l'ultrason n'a pas montré du tout. C'est-à-dire que le bras fait biopsie malade, ça est obligé de faire biopsie under MRI guidance. So, c'est pour montrer nous comme si, c'est pour montrer la complexité cancer du sein. Imaginons, malade là, je veux nous bagarre dans MRI là, le bras fait ultrason guided biopsy, le arrivé, il va je n'en rien, il va rien du tout, il va pas faire. Il retourne malade là, il retourne en bas machine MRI là, il va bagarre là. Et, yo biopsie et c'était cancer du sein que le tayé. Qui raison yo dit yo pas faire MRI pour tout le monde comme ça? Parce que MRI là, li gen sa nou rele on high false positivity. C'est-à-dire que ou tellement wè plus nan MRI là, si ou pral aider chaque so wè nan MRI là, eh bien ou pral obligé sujet, ou pral mettre en pile fiable font paquet de procédures que yo pas de besoin faire. Mais gen des malades spécialement que MRI là gon place là dani dans certaines évaluations, dans évaluation dense breast dépendant surtout si mon sont high risk, si mon sont high risk, parce que li bon pour le faire. Thermographie, nous pas besoin parler de li passer ça, bon gade moun c'est ça ou vle, mais nous pas gen une expertise là dedans, pas gen moun bon ici qui fait thermographie à passer ça. En général, yo donc thermographie attaque diagnostic le plus bonheur parce que depuis ou gen cellule cancéreuse, y a multiplié en pile, y a dégagé pour bien si métabolisme augmenté et à partir de ce moment, ou pral gen vin gen plus chaleur qui dégagé. Screening for high risk, là c'est malade que nous te sot parler en vain, malade comme si Dakado qui gen mutation, malade qui gen family strong family history, ça nous te parler en vain. Qui différence qui gen high risk là, supposons par exemple gon famille ou qui fait cancer du sein. Pas vrai? Eh bien, sous conforme qui fait cancer et qui fait qui gagne génétique mutation, hein? Et puis ou même ou ta gagné ou bien même sous pas gagné ni, yo checke ou sous gagne close relative parce que gagne familial cancer du sein qui génétique mais qui pas en rapport avec BRCA1 and 2, yo mando comme si pour faire premier mammogramme en 10 ans avant, pas vrai que moun qui était proche pas vrai famille ça qui était proche supposons que t'ai fait cancer là à 40 ans yo mando pour faire premier mammogramme à 30 ans on va le faire mammogramme avec ultrason chaque année pas vrai et puis breast examination par professionnel là yo voulait que li chaque 6 mois au lieu que yo mettait le chaque année ensuite on va aller dans diagnostic qui modalité que nous utiliser yo fait ultrason guided biopsy ou bien MRI guided biopsy et c'est là que nous parlons de complexité comme si cancer du sein parce qu'on parle que le fait MA, le fait pathologie report qu'on parle jeune non on parle que 80% c'est ça nous relé invasive carcinoma côté que son bagage pour take care et c'est qui sérieux et puis non invasive là c'est on ça relé ductal carcinoma in situ li gen doit venir développer li presque considéré on lésion précancéreuse il va permettre ou gen par exemple grosseur cancer là li important. Là, on va montrer comme si s'il y a certains récepteurs pour hormones qui font pas quelle différence dans le traitement. S'il y a œstrogène récepteur, progestérone récepteur, HER2, on a entendu parler de lien pile, c'est un human epidermal growth receptor, il fait cancer là multiplier beaucoup plus rapidement. Il fait ensuite, on va le voir qui grade tumeur là, ça dit que le pathologiste garde tumeur là, eh bien est-ce que pathologiste, est-ce que l'on semble cellule cancéreuse ou bien est-ce que l'on pas semble du tout? Sur ça, l'on est plus agressif comme ça. Et l'on peut regarder si ou avez des, par exemple, des ganglions, par exemple, en bas bras, des ganglions qui intéressent le processus là. Ça n'a pas assez solide, c'est pour montrer comme si subtilité, hein? C'est moléculaire subtile, il peut montrer aux différents. Subtype, c'est là que vous voyez que breast cancer is a group of diseases. Ce n'est pas une seule maladie. One size does not fit all. Et après, si on parle de staging,
breast cancer là, à libéral basé sur grosse tumeur là, libéral basé sur sous bien ganglion qui intéressé et libéral basé sur ça nous les métastases. Métastases, est-ce que cancer là quitter région sein, quitter région et puis là aller dans foie, là aller dans poumon, là aller dans os, des bagages comme ça. Et le staging là, nous pas regarder différents stages et moi crois que ça n'a passé sous lit. Et raison fait que n'a passé sous lit tellement il y a l'autre bagage que pour nous parler, mais en général sans besoin ou besoin faire diagnostic là, par exemple stage 0 c'est ça nous les précancerous lesion ou bien doit faire MRI ou pas fouti palper ça non ou quand faire MRI et pour un précancerous lesion ou pour le s'il traiter ou pour le s'il retirer et pour faire local radiation, mais ça c'est presque un 100% cure presque, vous comprenez que lié sur ça veut dire que ça aurait les par exemple early stage breast cancer cap stage 1 and 2 côté que survival chance de survie 5 ans beaucoup plus et puis ou pral gagner late stage là cap stage 3 qui plus avancé et qui passe stage 4 là c'est ça aurait côté que tumeur là quitte zone là et là l'autre côté so ça vient montrer pour qui ça que li extrêmement important que nous fait diagnostic là c'est-à-dire que nous suivons toutes procédures pour faire mammogramme ou pour faire examen physique breast là tout bas ça assez grade là ça ne sort pas là ou après s'il well differentiated li semblé cellule cancéreuse ou bien s'il poly differentiated son breast cancer qui very agressif so now ouais que avec ça breast cancer là gien doit n'importe bagaille et qui traitement que vous pral offrir c'est soit faire par exemple lumpectomie ou mastectomie dépendant de breast cancer là, chimiothérapie qui gagne droit avant ou bien après par exemple chirurgie, ça dépend de cancer là, radiation qui parfois après chemo, après chirurgie et puis admis nous faire radiation, hormonal thérapie si que cancer ça a un récepteur sous lui pas vrai, ou pral en hormonal thérapie. Et hormonal thérapie lui-même le plus souvent c'est le fin ferme d'acadou chemo radiation then you start hormonal thérapie et nous parlons gain l'autre bagaille tant que targeted immunothérapie et le que vous faites par exemple lumpectomie ou bien partial mastectomie des bagages comme ça yo ka gade le yo invité ce plastic surgeon là côté que vous considérez breast reconstruction at the same time de yo gain doit reconsidérer ça. Et il y a des bagages, par exemple, nouveaux actuellement qui ont émergé, que nous supposons garder vraiment, qui est important. Parce que, ouais, que, et, monde qui âgé, monde qui pauvre, et monde qui noir, ils font moins de tests pour eux. Par exemple, pour commencer, il y a molecular and genetic testing, qui peut permettre, côté que vous pouvez checker que cette protéine qui l'ensemble, qui doit dire, est-ce que le cancer a retourné? Yo gen doit par exemple mama print test la 70 gene que c'est médicament approuvé le for stage 1 and stage 2 li ka montre ou kon malade stage 1 ou comprendre que malade ça l'en forme mais l'on fait comme si test génétique ça li dou malade ça gon high risk for recurrence so ça veut dire que li gen doit un malade ko t'apral décider cliniquement ko pa ba chimiothérapie et puis basé sur test ça ou vin ba li chimiothérapie yo gon l'autre tout on contact di extes et puis gen l'autre que on fait tout par exemple pam 50 test là c'est pour postménopausal women qui estrogène récepteur positif pas vrai pour garder l'on fin traiter malade là qui risque de récurrence parce que nous tout connaît que parfois un malade kon fin faire traitement et pour di malade là li guéri et puis yo dou li guéri. Et puis après 2-3 ans, ou un malade ça, malade, et puis c'est qu'un sec pour le tuer. Ce qui signifie que malade là, pas vraiment guéri, vraiment. Et ensuite, il y a l'autre bagage qui a émergé, par exemple, circulating tumor cell analysis, côté que l'ensemble, il y a un circulating cancer cell, il y a un self-free tumor DNA, pieces of DNA, par exemple, pour jouer, et c'est ça que M. Vinele, liquid biopsies. So, ça, on m'a mis là parce que, dans pile monde si docteur pas au fou gens de bagaille ça yo fann konnen que bagaille ça yo yo existé et yo ka font différence parfois pour en pile monde et l'autre bagaille après ça nous gen targeted chimiothérapie nous gen immunothérapie nous konnen que immunothérapie par exemple yo li marche très bien par exemple en mélanoma nous konnen par exemple ancien président Carter li fait métastatique mélanoma c'est à cause de immunothérapie c'est à dire que programmer immune système nan pour la détruire cancer là, c'est à partir de immunothérapie. Actuellement, pour breast cancer, HER2 positive,
son very aggressive cancer. Yo gon vaccin, yo gon cancer vaccine, new vax, que nous quoi yo l'en phase 3, m'pa konnen si yo dépassé phase 3 kounya. Tout bagay sou ce sont des bagay intéressants comme si pour nous suivre. Photodynamic therapy, son l'autre bagay utilisé par exemple une substance qui ont photosensitize. So, ça veut dire que le ba malade la substance, quand cellule cancéreuse absorbe substance, et puis le expose malade la lumière, à light, et bien cellule cancéreuse qui a substance à la dan qui a tendance à la lumière, et puis li vin bon un oxydative stress, li genere free radical, et puis le détruit cancer là. Ensuite, il y a l'autre bagage sur endocrine thérapie, côté que après que il y a des tumeurs, pour regarder qui j'aime breast cancer et du, li gen doit pas gen estrogène récepteur. Ligue doit pas gain progestérone récepteur qui normal dans femelle mais ligue androgène récepteur. So voilà que gain des substances que tu as utiliser par exemple Casodex que utiliser pour prostate cancer que kounya là oblige à foncer de substances tant que ça relé extendien qui ont androgène récepteur bloque parce que l'ordre dit que bloquer récepteur le monde n'a par exemple gon récepteur si gain estrogène là et puis gain estrogène récepteur estrogène va chercher stimuler cancer du sein ça. Même j'en tout, si par exemple, il y a un androgène récepteur, eh bien, il y a une tendance à stimuler. So, yo vin wè ke, gen des malades qui pas répondre, par exemple, à un estrogène récepteur bloqueur, et malade ça, s'il y a un androgène récepteur bloqueur, so, là, il n'y a pas répondre. Now, moi, montre la nouvelle et emerging strategies, nous gen metformin. Semaine, ça me connaît que, bon, tout malade ou après l'eau à propos de metformin. Problème, non, c'est que c'est, on facilité ou bien deux trois facilités par contre combien qui au même côté que a fait metformin qui était contaminé. Il y a des gens qui comprennent ce que c'est metformin qui a rappelé du marché. Actuellement, il y a regardé comme si malade qui fait breast cancer qui sous metformin, il y aurait que survival yo mieux. Il y aurait malade qui sous metformin, il y a tendance faire moins cancer en général. So, c'est ça qui fait que quel que soit malade qui fait sucre, même si mettez le sous insuline, même toujours encourager le rester sous metformin. Y a regardé tout par exemple statin yo que nous utiliser pour cholestérol yo cap peut-être bon rôle que y a vinn jouer dans cancer du sein. So, ça ce sont des bagailles que moi ba nous pour montrer nous que cancer du sein extrêmement complexe pas quitter un monde dit nous yo te bam ça yo pas de bam ça faut qu'on ait tout détail cancer moun ça te gagne parce que cancer ça yo tant comme te dit déjà c'est pas one size fit all. Et m'a pas montré nous survival breast cancer stage 5 year survival. Ou pas loin que stage 1 c'est 98 à 100%. So, ce qui signifie que l'ogade ça, l'arrivé dans stage 4 ou descend à 22%. Stage 4 là c'est là nous dit qu'on gain métastatique breast cancer. Mais l'arrivé dans stage 3 ou quand gain des malades qu'on prend dépendant de type de cellules que gain dépendant de hormones que gain. Ouais, j'ai le truc. Les stage 3, li gen doit aller jusqu'à 98% parfois, ça dépend de tout ça nous sort parler là haut. Mais quand ça tout descend à 66%. Il y a 5 year survival. Qui ça veut dire ça livre un message très clair pour nous. Li dit nous que c'est faire mammogramme nos bonheur, c'est make sure que nous occupé by ça que nous on top of breast exam nous, mammogramme nous, follow up nous parce que si nous prend breast cancer bonheur. Eh bien, breast cancer ne doit pas obliger comme si affecter nous, gens que l'affecter un paquet de monde qu'on y a. Et gon l'autre bar et tout, gon pile bar qui a fait sous breast cancer, côté que monsieur a regardé, puis qui a fait cancer, vient presque une maladie chronique. Tant que presque ouais avec HIV qu'on y a, un malade qui a plus de 20 ans qui fait HIV. Et so, ensuite, avec tout l'autre bagage nouveau que nous voyons, gon bar qui est important, pas jamais décourager parce que ou pas qu'on est qui ça qui apparaît avec. Cependant, la communauté panan font nous un groupe et n'a parlé de ça à la fin. Ensuite, ou kab adopter en général, mais ben là, c'est essayer pas gain cancer, c'est pas seulement breast cancer, essayer pas gain n'importe cancer. Second gen, bon mode de vie par exemple qui doit diminuer chance pour faire cancer. Ça va veut dire qu'on pas qu'à faire, mais les diminuer chance. Un whole plant based diet, nous connaît que li gon impact sur cancer en général, pas seulement sur cardiovasculaire. Et sous cancer tout. Le moins, c'est pas manger carcinogénique food. Je veux dire que l'on a appelé des grillés manger, l'on a appelé des faits comme son barbecue. Il faut qu'on ait que n'a pas un paquet de produits cancérigènes nous mettre dans le corps.
toute étude montrait que exercice définitivement, est-ce que c'est parce que et flot sanguin l'augmenter l'organe dans tout bagage comme ça, exercice diminue cancer et puis peut-être état d'esprit mon tout bagage c'est jouer un rôle tout. Et nous a parlé de fumer, nous connaît bon cigarette en pile, nous parler de limite alcool yo, mais sleep joue un rôle important tout puisque nous connaît que l'heure pas dormir bien, ça diminue immune système, pas vrai, immune système pas aussi performant. Et immune système ni job li c'est pour protéger contre cancer et protéger contre infection. Nous connaît que stress là affecte immune système, stress management important. Environnemental toxine, nous t'ai parlé de nous fait deux sessions sur detox déjà. Nous pensons que sleep by se joue un rôle extrêmement important et harmful radiation, trop x-ray si nous pas besoin, parfois c'est malade là il cap mande x-ray, parfois ou même c'est limité x-ray. Mais malade là met des pressions sur docteur. Pour docteur a mandé x-ray. Pas mettre pression sur docteur pour mandé x-ray. Seul bagage, si nous sentons bagage l'ancien nous, mettez pression sur docteur, pas quitter un docteur dit nous trop jeune. Et m'a tout profité faire bagage tout, pas quitter un docteur dit nous trop âgé tout parce que ou bien doit malade 80 ans, ça t'arrive, ou malade 80 ans, on voyer pour mammographie, a yo dit là ça nous pas besoin faire mammographie malade la tourner, là il vient bon côté me poser une seule question. Moi dit si que mon cancer cap développer l'ancien si par exemple main sont là moi joine une boule et boule là qu'on a est-ce qu'on quitter le rivel grossi jusqu'à ce que le pété poa et puis paraît dehors est-ce que on veut comme font bagaille pour lui il dit normalement m'a veut font bagaille pour lui il dit tout autant qu'on veut me font bagaille si nous joine une boule on pas obligé faire mammogramme là le fait mammogramme là joine un cancer du sein yo font cancer du sein yo font lumpectomie avec radiation et puis li en forme li gen 82 ans qu'on a en haut. Et detox, bon, c'est que l'organe et puis get appropriate screening test. Donc, on nous saute pas les larmes, mammogramme ou bas, get appropriate screening test en général, colonoscopie, mammographie, pap smear, tout bagage ça. On a des malades qui étaient mourus, qui bien dommage, on comprend qu'ils étaient mourus de métastatique cervical cancer. Et ceci, c'est parce que le pensé que bon, il n'y a pas besoin de pap smear, bah, comme ça. Et detox, moi c'est que là nous t'ai fait detox là, nous t'ai fait quoi gut detox que nous fait. Next time nous gai pour nous faire liver detox. Je te montre qui quantité inflammation, qui quantité problème, qui quantité toxine parce que là nous dit environnemental toxine. Mais songez que l'un des faits gut là, gai endotoxine tout, gai pile toxine que nous générer en dans intestin nous et toxine ça a eu un impact extraordinaire sur santé nous, including pour moi-même cancer tout. Et gan pile moun comme sou di ou pas besoin prendre supplément kite moun sa yo kite ou pas prendre supplément yo moi même conseil même ba nou toujours prend un good multivitamine prend vitamine C prend vitamine D nou prend oméga nou et dépendant l'autre bagaille que nous ka gagner nous gen doit gagner des bagages spécial que nous prend des bagages tankou curcumin par exemple soit high risk des bagages tankou flaxseed oil des bagages tankou curcumin des bagages tankou et resveratrol so gen des l'autre bagage que moun ka prend même pas vle aller dans aspect comme si m'ta ka dou la natural treatment parce que cancer du sein traitement tellement sophistiqué qu'on y a m'pas quoi que nous font malade. C'est un service nous ta rend nous malade si nous ta pralé un paquet de bagaille naturel actuellement parce que premier bagaille qui vous faites là c'est établir diagnostic là c'est garder vraiment qui cancer du sein n'a dit la veille et garder comme si qui traitement actuel qui gagne pour lui ça pas veut dire que pas gagne bagaille naturel qu'on cap ajouter parfois ou bien l'homme on fin traité parfois on va le mettre mon dans si on fin traité ou va le mettre mon sous green tea ou va le mettre sous série de bagages qui gain tendance inhiber cancer stem cell qui gain tendance protéger mon là ensuite et les manger en général qui bon pour cancer du sein pas vrai et n'a pas les nous gain garlic nous gain lix que nous même utiliser surtout haïtien que nous utiliser surtout les dimanches là mais il très bon gain Brussels sprout tout ça nous les cruciferous vegetable yo cabbage kale remember tout ça yo obligé organique so toujours aller dans WWEWG pour yo ba nous bagage ça yo organique et tomate là lui même toujours comme si make sure que tomate là c'est une tomate qui cook seul tomate qui gain doit gain lycopène qui pas cook c'est tomate qui c'est yellow tomato et n'a fini pour nous dire que breast cancer, ça c'est dernier slide là, breast cancer, it's a team disease. Pourquoi ça veut?
breast cancer is a team disease. Members of the team, ou même qui gen cancer là, sont même qui plus important comme même team là. Ensuite, li extrêmement important qu'on joigne au monde la famille ou bien aux amis qui intéressé à santé ou. Parce que lien doit pas faire monde parce que famille pas intéressé à santé monde. So, ça c'est important. Ensuite, ou bien primary care physician ou bien nurse practitioner, ça c'est team qu'a voir là. Et puis en même temps, ou pral gen medical oncologist, ou pral gen radiation oncologist, pas vrai medical oncologist, c'est moun ki ba chemotherapie, hein? Radiation oncologist, c'est moun ki ba radiation, hein? Surgical oncologist, c'est moun comme si ndakadou kap fè chirurgie, hein? Très souvent, medical oncologist, qu'on évalue, et puis le type de cancer, ça, li dit, ah non, ou pas pral nan chirurgie kounya, non, faut prendre chemotherapie, faut nous shrink tumeur là, faut nous faire tout bagay sa yo. Parce que l'offre de faire chirurgien m'a pris trop longtemps pour évoquer moi, or son tumeur agressif qu'on gagne. Mais il y a deux malades qui n'ont pas fait chirurgie, médical oncologiste, stop, jeune. Il dit non. Malade là pour se voir chimiothérapie, la fait chirurgie, d'en la fait radiation et la follow par hormonal thérapie. Et il faut gagner toujours le plus souvent. Groupe ça yo kon nurse coordinateur et c'est établi bon rapport avec tout monde ça et un social worker me pense toujours très important qui pour bon comme si qui service qui gagne et qui gagne et quoi que n'a périté là alors message comme m'a fait m'a baye communauté a mon message pour me finir nous besoin plus docteurs haïtiens dans communauté a New Jersey m'a pas pour l'autre côté yo nous ta aimé que y encourager ti moun nou gati garçon ti fi ki intéressé nan médecine et nda aimé que nous encourager yo et moi crois que gen nécessité pour communauté a créer un fonds de solidarité pour nous ta supporter tout ti moun sa yo ki intéressé vin docteur parce que actuellement gen malade ki fait cancer haïtien nous pa gen un moun ke m ka voye le balik actuellement ki li même ki haïtien ki ka occupé le pour ça. Moi crois que l'heure arrivé et m'a quitté l'autre slide, moi j'ai pour une vingtaine de slides n'a prêté là. Merci infiniment et docteur Sangos. Et comme d'habitude, c'est pas un commentaire, tellement information yo de qualité. N'a pas prendre 5 minutes pause comme d'habitude pour quitter mon yo préparé. Question yo, finaliser question yo pour nous capable prendre yo. Si n'a pas un petit crasse moins parce que nous a 96 participants. Donc nous pas d'avle que tant 97 pendant m'a dit ça, nous pas d'avle tant faire nous la guerre. Donc n'a prend pause d'a très court, tout le monde mettez à l'aise, commencez à écrire question yo à tout de suite dans 2 minutes docteur Sangos. OK. Qui vivait pas couler.
zombi garé, kagoumè en bas fromagé. Mais ta fée, capri bois, chante souris, caille dormi. Mais la canne, nous pété, en fait, un coco. Merci et nous retournons. Bon, il y a pile question qui est en poser déjà. Donc, nous allons aller éclipser quoi nous pour nous bailler espace là by Nadej qui va aller interagir avec Dr Sangos sur question. Nadej. Et merci Osili et Dr Sangos, n'abdou merci. Pour belle présentation ça c'est pas première fois on fait présentation pour nous mais à chaque fois nous apprenons en pile bagaille moi même qui là qui toujours à interagir ensemble avec vous c'est pas deux bagailles pas apprendre aujourd'hui surtout question de stratégie émergente que on t'a parlé hein? Donc nous connaît information tellement en pile n'a besoin retourner sur présentation ça m'a profiter rappeler mon yo que la semaine là il a joindre sur YouTube parce que faut nous retendre et présentation ça tellement gain bon information qu'il a donné. Et première question que nous gain docteur Sangos et ou parler de prédisposition génétique. Si on fille gagne prédisposition génétique ça pour cancer du sein la caille, à quel âge ou t'a recommandé lui pour lui commencer faire mammographie pour commencer faire screening? Bon, prédisposition génétique là, premier bagage que ou a fait testing là.
comprends? Et on va faire testing là pour comme si est-ce que au positif, est-ce que au gain BRCA1, BRCA2, pas vrai? Ce qu'on y a là, l'on fin fait ça. Si mon jeune, en principe, l'on arrive en face à Nadège, breast cancer son bagage comme si qui tellement un complexe disease. Et souvent des qui ça me fait, pas vrai? Un malade comme ça, m'a préféré peut-être ben un génétique spécialiste comme si parce que ou besoin malade là bien encadré. Ouais, et ou, faut comprendre que me fait programme dans sur breast cancer parce que mon nécessité comme si pour nous faire mais moi-même moi pas un breast cancer spécialiste. So immédiatement et bu soirée a c'est pour nous mettre malade là courant toute dernière information et tout côté que les cas fait faux pas et puis pour le voir que breast cancer là sont maladie extrêmement complexe, extrêmement complexe. So souvent des qui ça me fait moi t'apprends à chercher avis comme si monde qui a traité breast cancer tout temps et puis le fini pour garder m'dakado déjà malade ça qui high risk là s'il jeune ou besoin mettre le environnement côté que bal support qui nécessaire parce qu'il y a certaines décisions pour prendre par exemple supposons que malade la testé BRCA1 BRCA2 positif. Kounya alors pour le dire là un malade qui gagne 70% chance pour développer cancer. En même temps malade ça gagne jusqu'à 40% chance pour développer cancer de l'ovaire. So malade ça son malade obligé encadrer au point de vue émotionnel, au point de très son malade qui très très important pour grand éduquer pour encadrer lui parce que faut mener faut aider le faire décision ça yo. Puisque imagine ou pral di mon nan faut faire petite pi bonheur faut à 35 ans nous gantan retirer au verre faut nous garder comme si nous dakadou là est-ce que gen mon nan fam ou est-ce que te gen bilatéral qui chance qu'on gagne pour ta mouille de breast cancer parce que mon nan li même li ka font décision li c'est listen me fin fait ti moun me retire au verre me retire deux breast moins malgré que me connais que son 90% chance réduction parce que li très difficile pour pas gros grain cellule qui rete mais m'pito faire li et wap wè moun k'ap prend décision ki di retire bres la gen des moun k'ap vle faire lumpectomie le gon problème mais gen des moun yo di retire bres la même si yo pa BRCA1 positif son pas c'est que et breast cancer faut nous malade ça nous prend habitude pour nous mettre au dans circuit côté que yo ka ba yo de best care là. Très bien et merci docteur Sangos et prochaine question que nous recevoir participant mandé qui durée de vie moyen yon cellule normale gagne. Bon, Baptiste a besoin vivre longtemps. So sam connaît, sam songe, c'est-à-dire que gomoun ki fait expérience là, li prend cellule normale, li prend des groupes de cellules normales, li mette yon dans environnement idéal là. Et puis li mette yon dans environnement idéal et puis la ba tout ça au besoin, tout ça au besoin, tout ça au besoin. Mwen kwè que cellule ça a été arrivé à 126 années même quoi que t'ai gon petit problème tout parce que bon monde qui t'ai là pour te changer environnement pas changer les mais me connais que m'te li rapport ça so, ça veut dire que en principe le par exemple nous mouri par exemple à 90 ans nous mouri trop jeune c'est ça pratiquement li veut dire et grand pile bagaille que nous connais qu'on y a qui ca permettre monde vivre plus longtemps mais problème là qui fait que ça va arriver, c'est parce que bagay qui fait nous maladio, ce sont des bagay nous exposés à yo chaque jour. Or, pendant nous exposés à yo qu'après 20-30 ans, avant que yo fait ça, y a fait l'encornouan, y a fait au fur et à mesure, but kola li même gon capacité de défense extraordinaire. Ouais, et songez que nous te gon présentation que nous te fait, nous te dit la présentation, think about your health every day and do something about it every day. Ça dit every day qui manger every day qui de l'eau main every day qui de l'eau every day qui de l'eau fait poids. You have to think about your health every day and do something about it every day. Très bien, merci et docteur Sangos, c'est un très bon conseil. Et où t'es parlé tout de et suppléments que moun ka pran multivitamine, vitamine D. Nou ta rive konnen est-ce que sélénium avec iode est-ce que yo ka aide nan prévention cancer tété? Mon cher, définitivement sélénium pa ale nan aspect sa de présentation parce que nou ta pral trop overboard, mais nou konnen que l'iode malgré que l'on font paquet lecture sou li,
ça a étonné malgré que m'entendais un paquet de bagages sur le cancer du sein. Et ça a étonné que mon pas parlé de l'iode du tout. Ouais. Mais sous garder le supplément, et nous toujours demandé que japonaise là, est-ce que c'est parce que par exemple, il prend un pile bar qui est soi la donne, mais il prend une dose d'iode, sous garder ça, qui est beaucoup plus élevé que ça que nous-mêmes, nous prenons la vitamine qui permet que nous mettons ici, après plus fort vitamine, il y a 150 microgrammes, vous comprenez, et l'iode. Et nous pensons que il joue un rôle parce que l'iode a tué cancer cell. Ouais. Définitivement quand tu es cancer cell même j'en tout ouais que l'iode joue un rôle mesdames qui ont douleur dans sein yo fibrocystic disease vous comprenez l'iode joue un rôle dans fibrocystic disease problème qui présenté hein, c'est que l'ovo est malade là par exemple si vous êtes malade d'un thyroïde problème en pile monde gagne thyroïde problème à cause de l'iode le malade là gont déficient en l'iode gland thyroïde là instable il gagne droit bon hyper ou bien hypo pas vrai. So, malade sa yo, en général, ou voye ou ba spécialiste, ou apre que spécialiste n'a pas même intéressé, mais j'aime intéressé maintenant. M'ge malade qui sou l'yod, c'est m'ge met malade la sou l'yod, mais c'est pas spécialiste non. Parce que l'yod la, nous pensons que l'y important. Et sélénium important tout. Sélénium, bon, ça dépend parfois certains ba yon manje, ba yon sa. Sélénium joue un rôle en pile dans l'immune système. So, l'an côté ko pralwe anti-cancer, ou pralwe que sélénium en général, yon gen doit apprendre. Nous connaissons que gen étude qui fait, par exemple, sélénium en HIV. Côté que mon immunosuppresse parce que ou gain soi là t'es déficient en sélénium. Problème que nous gain vraiment c'est que mal manger que n'a pas mangé a monsieur prétend que nous cap joindre tout ça dans manger que n'a pas mangé a mais personne manger que n'a pas mangé a parfois nous pas connait côté le sorti nous pas connait dans qui pays le sorti et nous pas connait dans qui terrain le sorti avant qu'on monde dit qu'on pas besoin supplément faut le taoué qui mange ou a manger et c'est pas suffisant pour le qui mange ou a manger. Faut le qu'elle qui côté manger à sorti et là le qui côté manger à sorti si manger à sorti l'on bon terrain mais est-ce que isaboka peut-être avant le rec parce que c'est pendant le rythme pia que li gon certain de bagages que l'a pas accumulé yo gen doit accueillir au trois bonheur vous comprenez et so définitivement sélénium et l'iode yes. OK, merci docteur Sangos. Et comment ta et recommandon moun pran iode là? Est-ce que son bail ou ka pran chaque jour ou bien c'est ou gen ou quantité? Bon, ça est ça qui veut moi prend l'iode prend nous deux fois, trois fois par semaine, parfois tu dois prendre 6.5 mg nan. Gen des life extension commence à faire on qui gen 1000 mg. Et yo fait nous vinn peur l'iode là avant longtemps par exemple, tu gen là, yo utilise l'iode tout temps. Mais monsieur fait nous vinn peur l'iode nous peur l'iode pourtant gen une épidémie de maladie thyroïdienne dans pays ici pourtant yo fait nous peur li ça dit que si utiliser l'iode là n'importe bagay qui passe c'est ou même qui responsable so, c'est ça qui fait que nous ti gen vinn réticent là nous pas agressif vraiment là utiliser l'iode. Très bien mais merci docteur Sangos. Et ou dit que l'iode là bon pour kis et nan sein gen deux filles yo al fait mammographie hein? Yo joine que yo gen kyste et le conseil yo mande yo pou yo retourner chaque 6 mois pou yo ka contrôler kyste lan. Est-ce que kyste lan bon risque pour le transformer en cancer? Bon, depuis ou gagne de fibrocystic dense breast de pou gen ba lancé on parce que gen des fois li pa permet ou wè tout bagay yo bien en général nous connaît que dense breast gonti jan high risk. Est-ce que high risk là c'est parce que nous pas ka détecter le plus bonheur des bagages comme ça. So that's why you are very aggressive, you try to do always mammogram and ultrasound. Ouais ben. Et mais dense et fibrocystic là parce que li bon pour nous rester sous l'iode là moi-même. Parce que ça a dit que sous rester sous l'iode là et puis le fini ou est comme si m'ta ka deux font test thyroïde ou bien ko bat toi vidéo check. Et bon on suspend l'iode là plus ou pi fort mon le suspend de douel. Mais yo fait nous vinn peur li. OK. Merci beaucoup docteur Sangos. Et grand participant qui mandé comment risque lan yé kay garçon par rapport à kay fi pour yo gagner cancer tété. Bon, risque lan c'est un garçon quoi sur 833 ou 883. C'est risque lan pour garçon. Très bien. Et, yeah, c'est risque lan à peu près pour garçon. Mais l'essentiel de pour garçon gagne faut toute fille en famille checker pour BRCA1. Très bien. Et puis pour garçon si par exemple sont un boule dans tête pas dit parce que garçon pas checker, vous comprenez?
parce que au cap gantan ou gantan checker pour gantan dans stage 4 breast cancer. Oui. Merci docteur Sangos. Et prochaine question, un participant mandé comment ou ka développer cancer le ou manger barbecue. Oh non, c'est parce que l'on mange barbecue, conseil de substance pas songe non technique là bien, pas vrai? Polycyclic amine, ouais, conseil de substance que il vient former par exemple en manger à même et ces substances ça qui cancérigène. C'est même j'ai par exemple même l'op qui te manger, l'op qui te manger même soit couché sous froid, sous cuite avec high temperature dry food with high temperature, il y a tendance former substance cancérigène là d'ailleurs. Vous comprenez? So kounya la lo développé substance cancérigène parti mon qui pose question ka dit pas kounya m'a mangé barbecue mais gon ba qui vini ve premièrement gen capacité de détoxification par le foie qui différent qui gen différent gon différence extraordinaire que nous gagnons entre nous-mêmes la capacité de détoxification so ça pas veut dire parce que on mon a fait li pa gagnen que on l'autre monde pa ka gagnen so en principe cancer son bagay qui multifactoriel so ça fait tout soit qu'à éliminer ou éliminer. Est-ce qu'on l'a éliminé tout ou pas faire cancer? Pas de monde qui a dit ça. Cependant, c'est un bagage qu'on a fait parce que nous connaissons que l'environnement joue un rôle important. Par exemple, nous sommes pour les participants qui demandent, par exemple, pour l'iode là, nous disons que un japonaise, le japonaise là au Japon, il a un lifestyle là, et il a mangé tout, il a mangé toute une série de bagages, eh bien, seaweed qui gagne pile yod la dani, eh bien japonaise ça c'est 1 sur 38 mais l'autre même japonaise ça ou mettez aux États-Unis li vient entrer dans culture américaine non li vient faire tout ça américain en fait et puis il vient tomber à un certain moment 1 to 8 1 sur 8 so, ce qui signifie que pas gain doute la dani que lifestyle et environnement sont majeurs contributeurs tout cancer en général beaucoup plus que génétique. Génétique qui seulement fave tout 1%. Bien que tout cancer dû à une génétique mutation, mais mutation ça ce sont des mutations qui viennent en fonction de le fait qu'on exposé à certains chimiques, à certaines toxines dans l'environnement qu'on doit vivre là. OK. Et merci beaucoup docteur Sangos. Prochaine question, un participant demandé qui facteur risque qui gagne pour garçon gagner cancer tété qui facteur risque pour garçon bon pas d'aller en détail sur ça même supposer que si facteur risque là par exemple si son monde qui l'ont famille qui gagne BRCA1 nan, et puis le fini si lui même li gagne gene nan tout l'a gagne définitivement l'a gagne un risque nous connaît que monde ça par exemple yo gagne plus prostate cancer pas vrai yo gagne plus prostate cancer tout. Ensuite s'il gagne un lifestyle par exemple manger un pile fat un pile sucre un lifestyle s'il obèse s'il conseille de risk factor qui en général un risk factor en rapport à cancer et gagne des familial par exemple songe que nous dit peut-être 15 cancers qui un aspect familial par exemple sous gagne cancer dans famille ou gagne plus chance pour développer cancer cependant 85% monde qui développer cancer gagne droit premier monde qui développer cancer dans famille so, ça veut dire que gagne des gènes qui poko identifié qui gagne droit des risk facteurs que ou poko connaît ouais et mais moi t'a dit comme ça que si mon par exemple gon high prédominance comme si de BRCA1 ou pas quelqu'un dans famille cap faire bon et m'ta fait le tester très bien et merci docteur Sangos. Prochaine question, un participant m'a demandé qui différence qui gagne entre ultrasound, mammographie, MRI avec biopsie. Qui est-ce qui est plus fiable pour détecter le cancer du sein? Non, alors, biopsie sont bagages qui séparent. Deux premiers bagages, mammographie, ultrasound avec MRI, c'est des procédés radiologiques que vous utilisez pour faire un diagnostic, pour dire qu'il y a un bagage qui est abnormal dans le sein. Vous comprenez? Mammographie, alors, fait exposer mon à un certain degré, à une certaine radiation. Pas vrai? Et moi, elle n'a pas exposé, ultrasound n'a pas exposé. So, ce sont des techniques qui sont différentes dans le sens. Il y a des bagages qui sont picopes, ou qui ne sont pas picopes dans le MRI, dans la radiographie. Et puis, ou vin pick-up li, par exemple, dans ultrason ou bien ou al fait le plus défini. C'est ça qui fait venir avec 3D mammographie. Et c'est ça qui fait mention. Nous-mêmes, quand fait mammogramme,
checker dans zone pas non pour connait si gen tridi. Si gen tridi al fè le côté ou fè tridi parce que si tridi en meilleur pour qui ça puis ban note là et puis après défend vini. So pito fè tridi et puis avec ultrason. So li très important pour comprendre ça. Emma ala quand montre des bagages que mammographie a pas montre. Cependant, Emma ala kon montre trois bagages et puis ou pral end up fè trois moun fè biopsie. Ouais. So en général combinaison et puis ça dépend de type de breast là tout. Par exemple pour jeune yo, si jeune ultrason nan important, mais mammogramme nan parfois, ça fait qu'on fait combinaison parce que mammogramme nan ka détecter des bagay very small tout. So meilleur bagay là as it stand right now et malgré que gagne un petit malgré que on petit radiation, gagne bagay ko ka fè, pas vrai? Ou ka manger ça reli bagay ki jeune yo par exemple carotenoïdes. Pas vrai et bagay ki gen bêta carotène ki gen tout une combinaison pas bêta carotène pour compte li et puis ou gen doit prendre vitamine E vitamine C vous comprendre c'est des bagay comme si ça moi m'a pensé faire pour nous c'est que gen des bagay si qu'on on pral font test et puis son test sélectif et test sélectif ça il supposé qu'on prend radiation et bien pas gagner que peut-être que on deux semaines avant on commence à manger différemment et pour prendre des suppléments qui protège DNA ou. C'est des bagages que nous avons fait. Vous comprenez? Bon, ça, c'est trois. Ça, so, ça ce sont ces diagnostics-là. Quand il y a biopsie en lui-même, quand il y a là, l'ovine joue ça abnormal. Supposons faire mammogramme, non? Je dis que mammogramme, non, abnormal, et puis on mando pour faire MRI ou bien on mando pour faire ultrason. Lorsque vous jouez, quand il y a que vous faites ultrason MRI, vous comprenez pourquoi ça pose des questions? Hein? C'est parce que vous dites ultrason guided biopsie. So, quand il y a là, il y a besoin font diagnostic. Seul j'ai pas qu'à faire diagnostic cancer du sein pour dire tout bon c'est ça lié. Faut qu'on piece of tissue, faut qu'on morceau de tissu que on va le prendre l'enseignant et puis pathologiste pour le voir le pathologiste et puis il va le garder et puis il va dire bon ça mais qui type de cancer du sein que ça y est parce qu'il y a différents types de cancer du sein. Il va le dire qui type de cancer du sein ça y est. So raison fait que nous mentionner ultrasound guided biopsy, c'est parce que tumeur à trois petits. Pour aller mettre aiguille là pour make sure qu'on mette aiguille en côté pour souhaiter quoi prendre fanny de l'aspiration quoi faire pas vrai faut bien que ultrason localisé et under ultrason guidance pendant qu'on ouel l'ultrason et pour aller garder pour mettre ni de là exactement côté le supposé y a très bien. Il y a ça qui est intéressant et m'pas qu'à songer qui type de cancer du sein que t'ai c'est cas que m'était dit non côté que ultrason pas qu'à montrer et puis c'est un MRI guided biopsy. Ça peut être te font différence en densité tissu peut-être qui fait que pas de kawel. Mais yo t'obligé pour malade ça faire un MRI guided biopsy. So n'importe le quoi faire biopsy, yo pas fait ça nous un biopsy, une biopsie aveugle, un blind biopsy. Yo font biopsie côté que kawel côté que a mettre needle là, fine needle là. Très bien. Et merci, docteur Sangos. Et un point très important, on dit là, je voulais retourner sous lui, c'est question de tridien pour mammographie. Et semaine, je fais expérience, je fais mammographie, je me demande est-ce que c'est tout dit ou bien tridien, je voulais faire. Je parle pas de différence qui gagne. Le monde des techniciens qui différencie, il dit bon, pas une grande différence vraiment. Seulement tout dit, assurance ou couvrir l'ep, mais sous fait tridien, ou payer $75. Donc, comme on est ici dans le système, des fois, on valorise l'argent, on dit ah, m'a fait ça, assurance m'a payé. Mais si je te suis conférence avant, je t'ai allé pour tridien, parce que je ne pas connais. Donc, c'est un point qui est très important pour l'autre monde qui a parlé, parce que connaissance, c'est pouvoir. L'autre monde qui a décidé qui est plus bon pour l'heure où elle a fait test. Et prochaine question, docteur Sangos. Participant m'a demandé combien de temps le cancer prend pour le développer dans TT1 jusqu'à ce que pour lui paraître dans le screening. Oh, ça, sont. Ça va dépendre de, par exemple, nous t'ai montré que conseil de cancer qui gagne récepteur, qui pas récepteur. Songez que nous t'ai parlé de grade cancer, yo, pas vrai? Nous t'ai parlé de grade cancer, yo. Grade la montre comme si on regarde en bas microscope là et pour des cancers qui semblent cellulaires plus ou moins semblent cellules cancer normal et cellules sain normal là, pas vrai? Et puis on va le voir. Si ça parle bon grade 1, on va le grade 3 et pour va le grade 3 et 3. Grade 3, c'est-à-dire que l'organe des cellules, ouais, cellules-là sont cellules qui ne semblent pas du tout
avec l'autre cellule comme si cancer et du sein, vous comprenez? Ou après une grande différence so, et c'est son high grade. Yo même yo très très agressif. So cellule dépendant de agressivité li, li gen doit multiplier beaucoup plus rapidement et gen moun ki dit 2 à 5 ans, mais bay sa yo, ou pa pral yo pa pral do pour une décision parce que décision qui pi important c'est que l'orive ou identifier sous gen facteur de risque et dépend de facteur de risque là ou faire high risk screening tant qu'on nous t'ai parlé hein, ou bien ou respecter screening qui normal là et pour toujours faire examen. So as for ça la voye même gens tout par exemple le ou faire biopsie hein, you gain doit voir que ou gagné intraductal carcinoma in situ dire les lead ductal carcinoma in situ DCIS. OK. So ça veut dire que yo considérer ça comme precancerous lesion bien que yo pral traiter même gens avec stage 1. Ça veut dire yo wè que ou gon cancer mais cancer là en dan cano kap pote et lèt là pas vrai c'est milkan so yo wè que c'est là seulement que lié yo wè que le pa gen tendance traverser et canoa canalicule là et bien le ça yo dou que yo considère comme un précancéreux pour qui ça parce que c'est pas 100% moun qui gen lésion ça qui va développer cancer pourtant yo rele le stage 0. Pourtant ça au fait connaissant que comme si nda ka dou mon gon high risk pour vinn développer li yo retirer li et puis yo ba mon nan radiation locale parce que l'on retire ou toujours en radiation locale parce que pour diminuer chance de locale récurrence ouais très bien et merci docteur Sangos et prochaine question un participant dit merci docteur Sangos pour information importante ça lui dit étant donné que on mentionné risque qui gagne leur maman décidé pour lui pas bailler petite li tété et puis tout manger que yon maman a bailler petite li ka augmenter risque cancer à tout li mando est-ce qu'on pas penser que li ta bon pour gynécologue yo ak pédiatre yo ta attirer attention maman yo sous danger ça bon pas gagne doute là dani que éducation son bagage qui extrêmement important mais le système que n'a vive là son système son sick care système si c'est pas un health care système c'est ça dit que moun focus sur malade et sur maladie et même malade là lui-même li focus plus sur maladie que focus sur santé so, c'est toute société à comme ça sa participe en dit bon son fait réel mais ou pral ka docteur li pas conscient du tout dans ça pour manger peut-être que docteur a trouvé que après toute étude ça yo nous pas capable venir parler de zonion nous pas capable venir parler de lix nous pas capable venir parler de vaille ça yo et pourtant ce sont des bagages comme si qui ce sont des bagages extrêmement ce sont des bagages comme si qui extrêmement important et I'm sorry c'est my battery is gone. OK, I'm sorry. OK. So ce sont des bagages extrêmement importants. Yes, pédiatre là. Quand il y a là ça participant poser question hein. C'est pour participant connaît que li gon rôle pour jouer dans ça. C'est-à-dire que faut demander pédiatre petit li pour qu'il sale pas parler de ça. Faut demander, faut poser aux questions. C'est même genre que nous t'ai parlé. Là nous t'a fait detox. Là nous t'a montré que 100% timoun yo, bébé yo gagne toxine le cordon ombilical là c'est-à-dire que toute maman tout garçon chargé toxine et la toxine ça yo gagne hein que maman déposé dans corps yo nous connaît que grand pile toxine c'est by cancer soit pas gain doute que en pile cancer nous gagne en rapport avec exposure que nous gagne avec un paquet toxine m'pa croire que nous besoin scientiste pour nous comprendre ça parce que on parle que et taux de cancer là différent dans différents pays dans différents bah dépendant de soit exposé à lui et là nous t'ai fait et conférence ça nous t'ai même dit que on fille qui voulait faire timoun li t'ai gon responsabilité morale pour te détoxifier tête li t'ai gon responsabilité morale pour te changer jan manger et ceci dès 6 mois mais côté nous yo dit 1 an c'est-à-dire que depuis 1 an ou prépare pour gon timoun ou pas ka manger même jan parce que dépendant que attitude ou behavior comportement ou ka augmente timoun sa ka développer cancer ou paquet bay ki ka arriver timoun nan et ça qui pire là c'est que changement parfois ça nous est l'épigénétique là qui fait là que ou ka transmettre à timoun nan parce
C'est ça qui vient avec nous. Nous avons une épigénétique transmission d'une série de bagages. C'est-à-dire qu'on peut transmettre nos bagages que lui-même, que le peut porter parce que l'autre transmet lui, ou que maman, ça, il peut porter lui, l'ex lui, ou bien l'esperme lui, il peut transmettre lui à petite part. Très important. Merci beaucoup, docteur Sangos. Et prochaine question, participant dit, si yon moun ki chita nan soleil pour 30 à 40 minutes par jour, est-ce que ça kabali assez vitamine D que yon moun besoin par jour? Bon, yon mette que sou chita, par exemple, 30 minutes ou ka fè peut-être jusqu'à 10 000 unités vitamine D. Cependant, expérience pa mwen, mwen moun ki sot Haïti, mbare vitamine D ou basé ça. Si par exemple le somme sont Haïti, si me font physical pour lui, vitamine D le toujours moins que 35. Vitamine D le toujours comme si l'on 32 parce que moun yo pa rete dans soleil et n'a pas une personne qui pral aller rete chaque jour make sure de faire 30 minutes yo rete dans soleil. Ensuite ça pral dépendre so ça me ka dit et beaucoup j'aime rencontre haïtien qui gagne vitamine D le normal. C'est seul bagage que me ka dit. M'ka dit tout que vitamine D c'est pas bon comme pour nous jouer avec, c'est pas bon comme si pour nous quitter mon ab décourager nous pour nous utiliser et parce que vitamine D a joué un rôle extraordinaire là la Covid là. Depuis le monde qui mourir à cause que vitamine D est très bas parce que ils sont immunorégulateurs, ils pas seulement comme si ils pas seulement augmenter production antimicrobial peptide parce que ça vous comprendre c'est que vitamine D augmenter antimicrobial peptide qui au même gain là pour répondre contre virus et contre bactéries et li ça c'est au point de vue infection li sont immunomodulateurs sont entendu parler de cytokine storm dans li ka interférer avec et en même temps tout li favoriser cellular differentiation when sort parler de différents types de cellules le cellular différentiel c'est-à-dire que ça veut dire une cellule qui soit l'ancien leur différentiel ou pas elle semble exactement cellule l'ancien. Okay. Et c'est là que vous pensez que vitamine D joue un rôle dans le nucléus même et na on pas pour mentionner que parfois nous pas mentionné c'est le fait que et parfois vitamine D gain droit pas marcher gens pour le marcher si mon yo magnésium déplété. Magnésium ca joue un rôle cofacteur la vitamine le pour vitamine D marche plus bien. Or nous connaît que de sol américain comme si North America déplété d'un pile. Ça dit que plus de 50% monde l'eau en magnésium. Et l'eau les par exemple tu aller dans pharmacie ou bien l'hôpital, ou après le plus souvent c'est magnésium oxyde qui ou magnésium qui absorbé seulement à 10% qui pas bien absorbé. Et en pile fois même l'hôpital l'homme de magnésium pour malade là yo pas fait yo font sérum magnésium yo pas fait un magnésium dans globule rouge parce que magnésium 99% intracellulaire sur so, l'offre magnésium dans sang ou ka wel normal ça pas veut dire que mon gain fonctionnellement li gain assez de magnésium sur so, le n'a pas vitamine D non toujours prend magnésium mon l'autre et commentaire que n'a fait sur vitamine D c'est le fait que ou pas que mettez 30 à 100 but même nous ouais et laboratoire résultat laboratoire faut nous connait comme si qui gens pour nous analyser raison que me dit ça le monde dans d'où vitamine D extrêmement important en même temps que monde dans d'où vitamine D parce que yo jeune vitamine D déficience gain ou gain vitamine D récepteur presque tout côté dans corps. So, si que quoi gen récepteur pour bagage c'est que ba la gon bagage pour le faire encore. Yeah. So kounya nèg yo dou vitamine D normal la 30 à 100. Soit le conducteur ou 30 docteur à dou ou bon. Bon sou ki base que le dou bon, ki je le fait connait que pour même c'est pas 90 qui était normal là. Ki je le fait connait pour même c'est 60 qui était normal là et ça c'est 30 là normal. So ça veut dire que si vitamine D a pas toxique en 30 à 100, l'on fait wellness yo dou au moins 50 80. Mais même moi t'ai dit mesdames yo qu'elle vitamine D noir 80 et seul bagage tant qu'on t'ai mentionné avant toujours prend vitamine K2 nous qui augmente parce que l'on prend vitamine D l'absorbe il faut absorber plus calcium pas vrai et très souvent si nous mangeons healthy diet un paquet de vegetable nous prend calcium forme nourriture nous pas besoin prendre lait pour prendre calcium lait augmenter cancer en général nous pas besoin d'érythropoïdes ça yo
et si le ou absorbe plus calcium, c'est ça qui arrive. Si sévèrement déficient en magnésium, qui est dans ce qui est calcium soluble, sous déficient en vitamine K2, que en général nous jouons dans soy powder netto ou bien que nous-mêmes nous pas manger en général, ou bien organ meat, ou moun nan ka déficient en vitamine K2, bien que bactéries intestinales ou gen doit prendre K1 ko joine dans vegetable, si ou le ka prendre K1 le transforme en K2, mais nous tout temps prend antibiotique, nous tout temps sous stress, nous tout temps prend motrine alive, flore intestinal nous tête en bas. So nous pas gon garantie que nous gen bactéries pa le faire ça pour nous. So c'est seul ba m'a dit prend K2 nous ou après que good multivitamine ou après que ou vin à K2 là-dedans. Merci, docteur Sangos. Et prochaine question, tout d'abord, participant dit ou merci en pile pour manger information sa yo. Et li mande ou, est-ce que gros dose vitamine C diminue chance pour yon moun développer cancer tété? Est-ce que manger zaboka chaque jour capable aider à diminution cancer tété? Bon, je connais zaboka healthy, mais je connais toute la lecture que je fais, je ne sais pas si je mette comme un facteur important. Vous comprenez? Oui. Obviously, l'homme mange un whole plant-based diet. Vous comprenez? Ou pas prendre vegetable oil, des bagages comme ça. Et ça, c'est un healthy eating habit. Qui est la première partie de la question? Et il dit gros dose vitamine C. Bon, et vous connaissez que vitamine C a un effet anti-cancer. Même pas qu'à dire que sous prend, ou pas le que l'organe, yodo, ou prend plus vitamine C, obviously, ou prend plus, c'est une majeure antioxydant, parce que vous gagnez vitamine E. Par exemple, vitamine E est important. Ou prend vitamine E comme majeure antioxydant, qui est une fat soluble vitamine, et la vitamine qui est water soluble, ou gagnez vitamine C qui est très, très important. Et parce que vitamine C, ou même relé, ça nous a relé, un sacrificial antioxydant. Qui ça veut dire? Pi gros antioxydant qu'on gagne encore là, c'est Oakfell. C'est glutathione. You make it. À partir de soi manger ou absorber, c'est the master detoxifier of the cell. C'est glutathione. Mais vitamine C lui-même qu'on sacrifie tête li pour kimber glutathione à un certain level. So yes, ouais, vitamine C même pas cadeau sous prend pile ou pas faire cancer du sein. Ouais, quel que soit ça nous dit, pas cadeau un yem sort de là et puis m'dou ou pas faire cancer du sein. Ce ne serait pas la vérité. Cependant, gen sa nou rele un healthy behavior. Et c'est trouvé que le nous prend sa nou rele un healthy behavior anti-cancer risk ba comme ça pour diminuer risque yo. Il s'est trouvé que li diminuer cancer, li diminuer heart attack, li diminuer Alzheimer, li diminuer presque tout bagay. So basically it's a healthy eating habit. Très bien. Merci docteur Sangos. Et prochaine question en participant mandé. Si on fi ki ansente tap pran medikaman antidepresan pandan te ansente lan et pandan tap bay ti moun nan tete, eske sa ka afekte selul bebe a? Bon, sa m pa gen informasyon. M pa gen se d'informasyon pou m repete. Sa menm suppose ke si ke yo tap bali kelk sa medikaman ke wap pran pandan ansente ou bien pandan wap alete, supposé qu'on recherche qui fait sous lit, il y a des bagages, yo classé médicaments yo, puis donc dépendant que soit enceinte ou pas enceinte qui risque gagner et yo établi risque parce que là ça faut regarder risque bénéfice et risque bénéfice, est-ce que gain plus risque gain plus bénéfice. Je suppose que depuis utiliser le long cas comme ça, c'est que et bénéficieux depuis bon que plus que risque, vous comprenez? Et mais ça me pas répondre ni long cas comme ça. OK, merci docteur Sangos. Et prochaine question, en participant mandé me porter parler sur ça déjà, sauter ka retourner sur lui pour nous et comment li ka traiter ou bien pour li manage fibrocystic breast disease. Bon, L'encas ça on pense que on monde ca augmenter premièrement ou gain doit prendre toute bagaille qui encourager breast health. J'en manger encourager
pour l'on mange par exemple un pile cruciferous vegetable, but when nous mange cruciferous, les anti gens backfire puis que y a une action anti l'iode dans le sens. Vous comprenez ça, Abdoulah là? So on prend assez l'iode. Moi c'est l'iode là. Dans ça que moi li, c'est surtout l'iode là que un pile naturalisme met un pile accent sur l'iode. For breast pain, for fibrocystique, des bagages comme ça. Ouais. Même pas qu'à dire. Par exemple, j'ai malade qui fait guad quoi, qui pas et candidat pour chirurgie, ouais, et spécialiste pas vle mettre sous l'iode, but she's like now 90 years old, li tad met banabas, yo pas vle faire chirurgien, m'vin mettre comme si sous l'iode 12.5, and she has been on that for about 5 years, ouais, et so li just, li joue un rôle très très important, et lan sa, but li joue un rôle important tout, lan ovarian cyst li joue un rôle important tout dans fibrocystique. Mais problème qui présenté a parfois l'autre déficient pendant période prolongée, nous pas connait gon ba yo les points de non retour côté que ou cap slow down mon pas ou pas ca reverse. C'est comme ça que nous well en général. C'est ça qui fait que meilleur balance c'est de faire toute bagaille pour être en santé et essayer faire diagnostic au bonheur. Parce que l'on fait diagnostic dans le temps, même si on connaît tel bas été kamache, on a bien saisi que le bas kamache. Ça, c'est une. En pire, en pile bagaille que nous-mêmes, nous avons attribué à une seule cause. Et c'est là que la médecine parfois est fauchée. Parce que en pile fois, et n'a pas ça, par exemple, en Alzheimer, où on sait de ne pas les cougnards. Alzheimer, it's multifactorial. Breast cancer, it's multifactorial. Nous sommes montrés, nous, quantité de bagaille qui est différente dans le cancer du sein. So gan pile maladie ki multifactoriel. Ou kapab gade une maladie là et puis yo fè un bagay pour un tel et puis un tel très bon et puis ou même yo fè pour li pa bon. Moi même ça me t'a suggéré et moun ça, c'est surtout par exemple ou prend pile flaxseed, pas vrai? Ou prend bon flaxseed, li bagay comme ça. Et puis le fini ou gen doit prendre l'iode mais l'on prend l'iode là et puis le fini nous fait moniteur et thyroid function. Très bien. OK, merci docteur Sangos. Et la prochaine question en participant m'a demandé qui sont pensé de implant dans tété et qui sont pensé est-ce que ou ka retirer est-ce que le grand risque pour cancer du sein qui sont ou pensé de pour enlever implant là la tété. Bon, m'bat font recherche spécifiquement, sur ça et sur breast implant, ouais. Mm-hmm. Et so m'bat vle répondre question ça parce que m'bat senti mal à l'aise pour me répondre ni. Parce que son question m'bat c'est qui très important, pas vrai? Oui. Et so nous gen doit répondre ni à une date ultérieure quand répondre ni de façon informelle pendant que n'a fait 10 participants. Mm-hmm. Participer là ça n'a fait notre deuxième là detox pour voir et n'a fait nos devoirs n'a font une recherche pour lui et puis parce qu'on est qu'il y a différents types d'implants qu'il y a une durée qu'on mette implant là vous comprenez qu'il y a comme si histoire familiale participant qu'il y a mode de vie participant parce que l'on peut regarder tant qu'on soit dit est-ce que c'est multifactorial est-ce que son participant qui mange junk ou bien son participant par exemple qui mange healthy est-ce que son participant qui fait exercice ou bien son participant qui est devant télévision à regarder télévision est-ce son grand paquet de bagages qui entre en jeu mais nous pour mettre participant et d'il vini la fin mois prochain et puis le fini n'a pas une réponse dans boulet. Très bien, merci les participants attendez l'invitation à lancer pour dimanche, dernier dimanche, mois de novembre. Et prochaine question, mon participant qui m'a dit qui l'âge qui pipiti pour yon moun passe yon mammographie, pour moun faire yon mammographie? Bon, ça après le dépend. Alors, par exemple, chez les Noirs, nous commençons par exemple à 40 ans. Il y a moun qui doit commencer à 50 ans. Mais même moi, en pile malade qui gagne entre 40 et 50 ans, moi même moi suggère malade mais au 40 ans. Il y a monde qui dit chaque deux gagner une task force qui dit chaque deux ans. Mais on parle que dans pile centre de cancer qui s'il fait chaque an parce que succès à qui fait cancer du sein, c'est most common cancer after breast cancer, after skin cancer et que le pas tuer plus de filles que on gagne 3.5 millions filles actuellement qui vivent avec cancer du sein, c'est pour qui ça? C'est parce que early diagnosis and aggressive therapy.
parce que gen pile new therapy nan cancer du sein. Ouais, gen pile new therapy. So as far as c'est pour pi bonheur, c'est ça qui fait que nous te vinn parler que si ou l'on high risk group. Par exemple, si nous on la risk pour mon te gen à 35, yo recommande pour faire la 25. Parce que ouais que gen moun ki fait cancer du sein qui gen moins que 30 ans. Oui. Gen moun ki fait. Alors gen un malade qui t'a présenté un cas pour montrer que il t'a fait cancer du sein à 27 ans, il fait un an l'a marché derrière docteur, il pas voulu faire le mammogramme parce qu'il est trop jeune et puis parce qu'il pas gen family history. Et c'est ça quelqu'un me mettait un pile accent sur le fait que ou pas besoin gen family history parce que 85% moun pa gen family history. Et puis à faire deux fois diable ou trois jeunes n'ont pas occupé monde qui a dit que ou trois jeunes parce que jeune jeune breast cancer un jeune monde tout. Très bien. Mais si par exemple c'est pour just faire comme ça, il pas bon parce que là ça risque bénéfice ratio à vin pas bon. Ou pas le font test par exemple à 30 ans ou pas gagne family history ou pas gagne ou pas ou pas sentir rien l'ancien tout bagaille OK. Mais supposons par exemple ou gagne 30 ans ou bien ou gagne 26 ans bagaille comme ça. Et puis, ou gon mon oncle, ou gen par exemple un frère ou bien papa qui fait cancer du sein, ou bien ou gen une femme qui fait bilateral breast cancer, quand mon qui testé positif, yes, est-ce qu'on peut le faire? Yes, on peut le faire immédiatement. Très bien. Merci, docteur Sangos. Et prochaine question, un participant dit, Jean Industrie cancer puissant, qui chance qui gagne pour un jour pour nous gagner un traitement définitif contre le cancer? Bon. Lolli littérature et gan pile bagay k'ap fait pour cancer. Par exemple, yo même gantan wè que l'on nous parle par exemple molecular and genetic testing nan. Yo dit ça, yo dit que par exemple paga c'est black qui testé que fait test pour yo, fait pour compte pour qui ça parce que gen plus black qui était supposé faire test et c'est ça qui fait ba nous toute liste ça pour nous même k'ap tande si nous at risque pour nous connaître, pour nous faire test là, parce que yon pas offri à ces blacks li. Moi-même, ma preuve voir sujet a, m'douve que yon fait pile bagay. Seul bagay qui présente, c'est mentalité à surtout, parce que, imaginons que, industrie pharmaceutique là, li l'on business pour le faire l'argent. So, li l'on business pour le faire l'argent, li vin l'on business là, tant qu'on monde comme si qui go hôtel, tant qu'on monde qui go restaurant, c'est-à-dire que l'a investi, l'a fait comme. Et c'est là que travail Haïti et du action a fait qui est important. C'est là que le fait depuis nous ba information nous dit pour partager information. Moi dit que ça nous supposé faire nous-mêmes, c'est éduquer tête nous. Mais pas seulement éduquer tête nous, faut nous partager information, faut non seulement utiliser information, faut nous partager information. Et faut nous comprendre tout que nous avons responsabilité envers communauté nous, envers amis nous, pour nous dire ça. Si nous on bah qui pas bon, ouais mon on tout le temps bouteille plastique, la boîte de l'eau, tout le monde a boîte de l'eau. Par exemple, ou bien combien monde peut-être nous connaît que n'a fait bon paquet de l'eau et parce qu'il y a bon paquet de plastique qui fait venir faire cancer du sein. Parce que il y a zéneux œstrogène dans plastique là qui leak. So nous pas connaît. So, m'pas penser que nous besoin wel konsa parce que l'on wel konsa ça veut dire que ou prétendre que au fond bagay pour puisque on dit qui nous pas jam non ou gon force as a matter of fact ou gen plus force que pharmaceutical industry c'est parce que by force ou c'est ça qui fait que pharmaceutical industry puissant puisque nous tellement comme si vivre séparé nous tellement pas vivre en communauté humaine parce que nous t'ayons dans une communauté humaine que ça haïtien que ce jamaïcain que c'est white que c'est parce que tout pauvre tout monde qui ba yo nous toutes victimes vous comprenez nous toutes victimes étant donné que nous vivons comme ça nous vinn font paquet monde puissant mais force qu'on gagne ou gagne beaucoup plus de force qu'on comprend par rapport produit industrie pharmaceutique là parce que leur met un produit pas bon sur éduquer ou pas utiliser c'est même j'ai par exemple l'on a parlé de manger. Tout le monde réalise que gen pile maladie qui en rapport avec ça de manger. Mais le roi de la market là, où est tout le monde a sorti avec un carré qui a 90% de bagay qui a fait malade. Parce que nous parlons de breast cancer, mais son j'aime débat nous bien là, c'est un fils ou 5 qui mourit de cardiovascular disease qui en pile en rapport avec lifestyle. Même j'aime à cancer. Très bien. Mais le monde a sorti la market là,
nan pran yen parfois ki an dan carriage la ki bon pou li. So kounya la pral di ke moun nan bò pòm nan, moun nan fè kòba pòm nan ki lè w ap ba, non, sok pou pa achete pòm nan. Sok pou pa achete l so, m'pense ke réponse a pharmaceutique an industri an, se eduke tèt nou, travay an group, travay an communauté, passe information et se travay sa ki yon travay extrêmement important. Très bien. Et merci docteur Sangos et question de éducation en dien avec travail que plateforme et Haïti éducation a fait, m'gen dwa témoigner que gen pile moun la k ap suiv nou kounye an que lè yo te suiv premier conférence ou te fait pour nous te parler que jan l'eau dans bouteille plastique yo pa bon que tout moun kounye an que moun sa yo pa tout moun que moun sa yo gagnen distilleur kounye an yo mete et filtre nan dlo pou y ap bayen, yo pran tout information sa yo et yo mete yon application. Et prochaine question à docteur Sangos, participant dit que gen moun ki gen grand mamèl nan zesèl yo. Est-ce que moun sa yo ta dwe utilize yon déodorant ki spécial? Bon, mba konnen Mba konnen glan mamèl nan zesèl la, sòl ba ki vini ve, yo te étudier kòm si pou eske tip de déodorant utilize a, eske li increase risk of breast cancer. Réponse ki yo te ba la, étude ki te fait yo di ki yo pa wè ke li increase risk of breast cancer. Sepandan, nou menm nou lan nou te fè ba la, nou te di ke toujou ka de tip de déodorant ko pran, et si gen ken ba ko pa ka konprann, chèche li, wè. Et c'est ça qui fait que au cabal il y a WWEWG qui de Environmental Working Group et au cabal Vazio par exemple sur qui produit as déodorant par exemple gain salt comme déodorant que mon ka utiliser gain des bagages qui très simple et il y a marqué sur moi même moi pas conseiller nous utiliser un kind can of chemical un kind bagage qu'on pas ka comprendre un kind bagage qui gain number il y a du yellow dis il y a du date meilleur bagage là gen yon organizasyon ki responsab pou l moniteur tout bay se yo, bay pou diyo ap itilize la kay ou tout bay se yo, konsulte organizasyon sa yo, piske yo menm yap fè recherch, yap fè etude, yo up to date, yo pi up to date ke mwen menm sou jan de bay sa yo, e se sa ke mta di participant al konsulte www.ewg.org. Très bien. OK, merci docteur Sangos. Bon participant qui m'a dit est-ce que Corosol aide avec traitement cancer? Bon, et moi connais que yo dit que li aide avec traitement cancer, que grand pile ba qui parler sous li sous traitement cancer, même pa gen ken, pa gen ken comme si expérience personnelle, vous comprenez? Mais sur l'internet là, on a pensé de bagay. Mais seul bagay m'a dit participant et qui est important parce que le m'a répondre faut participer toujours songer que moi holistique moi toujours préférer un bagage naturel si bagage naturel ça plus bon que conventionnel là qui le plus souvent un bagage qui étranger à corps là si li plus bon et pour qui ça me dit ça cancer du sein sont cancer extrêmement complexe c'est pas un cancer que ou gagne au monde comme sous prend tel bagage et puis ou Dieu se prend et c'est ça qui fait que ou après que l'homme fait présentation sur cancer du sein ni première fois ni deuxième fois ou pas que mettez un ken accent sur produit naturel qui bon pour cancer du sein parce que me pas voulez voyez un message qui passe ça parce que message qui est important c'est identifier cancer du sein le plus vite que possible c'est évaluer en détail au point de vue moléculaire au point de vue génétique vous comprenez au point de vue type de cellule au point de vue extension est-ce que localisé est-ce que distinct est-ce que format malade la fait 4 scan est-ce que format malade la fait 4 scan bone scan on série de bagaille comme ça l'orphine fait ça qu'on y a on peut regarder qui outils qui gagnent pour contrôler cancer du sein parce que moi dois dire nous gan pile en pile bagaille soit les sous cancer du sein gan pile en pile en pile travail qu'a fait mais ça me penser gan pile bagaille qui pas arrivé dans communauté noire là gan pile bagaille qui pas arrivé joindre certains monde qui fait cancer du sein et c'est ça qui fait que après dernier slide mien et me déconsidère avant dernier me déconsidère comme un slide extrait tous les deux derniers me considère des slides extrêmement important pour qui ça parce que me pas ouais comme si qui j'ai un monde qui pas parle même si vous parle anglais
Même si vous parlez anglais, mais imaginez, vous ne parlez pas anglais ou bien vous parlez anglais. Sous ou besoin team. Et c'est ça que quelqu'un m'a dit que team sont au besoin, son team extrêmement important. Son team extrêmement important. Ce n'est pas pour grimer si. C'est-à-dire, vous supposez qu'on nous tout le monde capte que vous. Et faut que mon famille en tout qui décide d'aider parce que gade là quand il y a des petites qui viennent manger maman ou bien papa ou l'office là mais moi même ou pas envie parler avec parce que ouais que il y a deux mauvaises fois sous figure mon là ouais pas de mener l'autre là et ou pas cap gain cancer pour deal avec attitude so sous gain cancer ou pas deal attitude en dedans plutôt cherche un monde dehors parce que stress là pas bon pour vous. Très bien ouais. So, à pour répondre à question, yes, bon paquet de bagay qui passe sous ça, mais si nous faisons cancer du sein, pas arrêter à faire bagay naturel sans que nous pas font évaluation en détail parce que dans pile traitement et montrer nous survival là, m'a balé nous survival 99%, so m'a montrer nous ca s'arriver, nous ca perdu un oui et ça nous les fenêtres d'opportunité pour nous te guérir. Ou ca perdu fenêtre d'opportunité pour guérir. Ou sans ton bagay l'ancien ou aller yo fait test pour ba qu'on se fait biopsie yo dit madame intel ou gen cancer so so faire ou jeune voisin li dou ah mon cher m'a voye chercher ko sol Haiti pou m'a voye chercher 10 m'a voye chercher date ou fait un an ou fait ça et puis le fini kou yo sent ton bagage sou bòk tout et puis cancer a dans la foie ou bien ou tousser cancer a dans la poumon ou perdu fenêtre d'opportunité a toujours songer ça c'est ça qui fait que depuis me fait malade la fait diagnostic là immédiatement me fait le ba oncologiste là. Et puis le fini, moi-même, je n'ai pas assisté le tout, mais il faut gagner un team. Et pas quitter un quel monde, même si je ne peux pas quitter un quel monde à faire chirurgie sur nous, ça ne nous pas parler à médical oncologiste. Non. Si pas par mes docteurs, nous, Annick, il dit que nous avons un cancer du sein, il dit bien un surgeon, il est le surgeon, et puis le fini, il dit, ah, mais il y a un cancer du sein là. Et puis il y a un métro sous ce qu'il fait cancer du sein, courir. Parce qu'il faut gagner un médical oncologiste, tout. Qui garde tout dossier parce que même on pas gagner assez connaissance pour garder tout dossier faut qu'on médical oncologiste qui garde tout dossier et puis qui aide à faire décision et c'est une bagarre moi toujours dit pigro m'dakadou la problème la médecine naturelle c'est le pas reconnaître avancement qui fait la médecine conventionnelle parce que l'homme dou gagne avancement qui fait la map li des bagarre qui extraordinaire. M'a pli débat qui sera. Le moun yo parle de liquide biopsie. C'est-à-dire que, ou ka jwenn nou protein que cellule cancéreuse a besoin pour grandir. Et protein ça va exister loin qu'en cellule normale. Et li gen doit un marqueur de plusieurs cancers. C'est-à-dire que, ou pa gen une technologie côté que, ou ka ba le fond MRI ou fait 10 ou fait date ou pa ka wè. C'est ça ou fait liquide biopsie. Et puis le fin nous fait, ou dit malade là, ah, malade ça a un cancer qui sorti dans tel organe. Kounya la, monsieur a travaillé. Puis ouais, si ou fon diagnostic au moment par un liquide biopsie, qui modalité de traitement parce que so far modalité de traitement yo basé sur le fait qu'on gon tissu diagnostic. N'yo poko confortable avec idée un liquide biopsie tant qu'on fon test par exemple, n'de gon test mais te kon fè l'office, m'de gon fè maybe pour 3-4 malades. Yo te relé onco blood test. Mon yo vin vann test la et puis yo suspend fait test la. Mais c'est ton test qui t'a pral détecter un protein que te rele Enoch 2 protein. Protein ça utilisé seulement par cellules cancéreuses to multiply pour augmenter. Pas vrai? Ce qu'on y a là, ou détecter 26 cancers. Le ou fait test la, le résultat a vini li dou comme si your patient have cellules cancéreuses. Coming, circulating, coming, form is posted, form is breast, former breast, form this, form that. Monsieur, il y a un problème avec Tessa. Alors, FDA est approuvé Tessa pour follow-up. Et ça, ce sont des bagages extrêmement importants. Parce que imagine-toi, ou quand on malade qui a fait chirurgie for breast cancer 2020, ou quand joué même malade sa vindou en 2030, with fluid dans poumon, et puis, le ou aller ou faire ponction pleurale, le retirer fluide, l'envoyer, l'analyser, et puis ou comme si ce n'est pas cancer, et pas cancer pour mon nom que malade doit gagner. Malade doit gagner métastatique cancer du sein. 20 ans, 30 ans plus tard, nous ouais bagay ça. Si vous avez fait liquide biopsie, ou t'as follow bagay ça, ou t'as déjà connu que ou gagne problème. Years before. Ouais.
Donc, so, quand monsieur travaille en pile avec targeted therapy, avec immunothérapie, il y a un conseil de travail que a fait. C'est ça qui fait que je mette une nouvelle thérapie, je mette pour maladie, pour deux pour comme si on même yo ta diagnostico pour qu'on ait que un paquet de bagages, par exemple. Une série de malades qui ne pas bénéficier, par exemple, de research, une série de clinical trial, mais des clinical trial que malade a bénéficié, par exemple, un malade qui fait triple négatif breast cancer, c'est-à-dire qui n'a pas de récepteur du tout, il y a des very aggressive tumor. So, souvent ça, son grand clinical trial, gen des clinical trial qu'a fait avec immunothérapie qui gen beaucoup moins d'effets secondaires que chimiothérapie parce que c'est immune système comme si il y a pas entraîné pour le détruire cancer là. Regardez qui gens si Carter par exemple, t'es pas de Carter, il t'a gen droit pas vivant. Mais là gen métastatique mélanoma to the brain. C'est immunothérapie qui a fait pour lui. Et puis c'est propre immune système qui détruit cancer là. Merci docteur Sangos, conversation est tellement bon, on parlait que 8h est arrivé sur nous. Il est 8h17, nous était trois questions, m'a poser rapidement. Okay. Et prochaine question, un participant dit ou bonsoir, la suivre de Haïti. Il dit merci pour bonne information ça. Et li mando, est-ce que une jeune fille qui poko fait petite, li apprendre que li gen cancer du sein? Est-ce que le cas d'être en besoin à le faire petit là, les courir à le faire petit là, pendant que les connaît que les gain cancer là? Non, non, dis-le pas faire ça. Non, parce que bah qui est important, le gain cancer du sein, ou gain temps, hein, ou gain temps pour réfléchir, pour foncer de bagay, mais temps limité. Vous comprenez? On va pas le faire 9 mois ou pregnant. Tout. Non, on va pas le faire ça. Ça veut dire que le gain cancer du sein ou take care cancer du sein, j'ai supposé take care, et puis après ça, ou dit, bon, ma font ti moun pi bonheur, si m'bot quoi faire, ma PC faire, parce que, ou connaît que, sou gen issue of cancer du sein, eh bien, ou at higher risk pour gen cancer du sein, comparé d'un monde qui pas jamais fait cancer du sein. Ok, très bien. Merci, docteur Sangos. Et prochaine question, en participant Mando, est-ce que Greek yogurt, li ka e augmenté risque pour faire cancer du sein? Parce que yo di que les produits laitiers yo kon cause cancer. M'bagen réponse spécifique pour ça parce que konnen que gen certains types de yogourt qui pas puisque yo améliorer flore intestinal là qui capable gen même effet sur m'bagen ken étude. Ouais si m'ta répondre ni m'pa ta répondre ni de façon scientifique parce que m'bagen étude comme dit ouais pour grec yogourt et breast cancer bête en général. Nous connaissons que produits laitiers en général, par exemple, gain hormones, par exemple, gain des bagages. Peut-être que produits bœuf qui pas jamais recevoir hormones, c'est quand même un petit peu différent. Cependant, c'est caséine, hein, parce que n'est qu'écrit pigro et n'est qui vient avec idée ça. C'est Dr. T. Campbell from Cornell University. Monsieur T. Kumbuk, c'est une book qui plus volumineux, c'est-à-dire plus complexe sur nutrition, d'ici de China Study. Et dans China Study, il était montré que caséine sont cancer promoteur que lié. Caséine c'est protéine qui l'enlève là. Et m'a dit non. Le par exemple malade gain issu par exemple joint pain ou gain problème de la peau. Let's say que me pensais qu'on malade gain on food allergie, mais on food allergie ça relé delayed food allergy. C'est-à-dire que malade la mange un bagage qui doit pas faire malade. Mais il doit faire mal, il doit avoir un headache tout 2 jours après ou bien 3 jours après. Le cabali et douleur dans jointure 2-3 jours après ou bien un problème de la il pas immédiat. So, c'est ça nous relie on et l'allergie retardée, ça relie IgG allergy. Eh bien, le nous fait test pour malade ça yo. Même si malade la toute malade ça l'organe caséine protéine. Les stimuler l'immune système presque m'ta ka di presque 100% malade ça. C'est rarement pour jeune nous malade. Voilà que malade là pas penser grand qu'un problème à l'être. Mais l'être a stimuler l'immune système ni. So next ça a été montré que yo te gen droit tant que yo te fait comme si l'en maïs ou bien rat m'pa songe l'en qui est-ce que yo te fait li. C'est un qu'on switch ou te augmenter quantité protéine qu'on ba malade là, ou augmenter quantité cancer. Ou diminuer quantité protéine ou diminuer quantité cancer. Ou augmenter quantité protéine ou augmenter quantité cancer. So, c'est ça qui fait que, en général, et vous avez vu nous tout, que côté que vous prenez plus produits laitiers, vous avez plus cancer en général, plus produits laitiers.
et peut-être manger plus mit tout on sait de bail comme ça. Ça fait que diète là c'est pas comme on sait de bail pas qu'à manger du tout non mais m'pa ta pral manger yogourt chaque jour, m'pa ta pral manger comme si m'dakadou vient. Ou ka manger wild caught fish, sardine, on le conso ka manger on grass fed beef. It's just to take the habit. Ou prend habitude manger ça qui bon pour vous en général. Mais c'est pas que ou pas qu'à manger une certaine chose du tout. Ou just stick to whole plant-based diet. Gen moun ki végétarien mais qui junk végétarien. Parce que moi j'ai végétarien mais moi j'ai french fry. Mon n'a d'ou végétarien ou la market là on sait de food qui en plastique, on fait de qui prépare food, on prend process food, c'est l'île pour le mettre dans microwave et puis le manger healthy. It's whole plant based food. OK, merci docteur Sangos. Participant qui haïtien dit que il connaît que leur arrivée mais il était bon conseil, il était besoin la main ou il gon tête fait mal qui pas jamais passé et qui a fait mal un seul bord. Ou li fait plusieurs examens qui pas jamais révélé rien et li pas ka supporter l'encore qui ça ou ta conseiller le fait bon premier bail comme si bon li très difficile parce que conseil de test faut par exemple food allergique gen doit baoul par exemple ça gen doit faire li gen doit faire ça l'on elimination diet on sait de ba l'habitude manger tout le temps. On va débattre tant que lait, des bagailles tant que œufs, on prend ensuite aller long gluten free diet, grand pile monde qui gluten, yo gen doit pas gain full time like celiac disease, mais yo grand pile allergie à gluten côté que ou gen doit retirer. Son premier bail m'a changé habitude alimentaire. Le plus souvent mon n'a pas dou que était toujours habitué à manger ça, mais c'est ça que était toujours habitué manger à, le plus souvent c'est lui même que ou gen doit vin allergique à lui. On l'autre bas encore qu'il doit faire, il doit faire checker magnésium ni pour lui. S'il par exemple est civil, le magnésium depleted, s'il manque magnésium et ça il doit faire ça. Si son monde qui jeune qui a fonction rénale qui normale, il doit essayer pour magnésium. Donc pile magnésium c'est magnésium oxide, il pas bien absorbé, son pas absorbé 10%, ouais. Il doit avoir magnésium calé dans le cerveau beaucoup plus que le magnésium L-trionite, s'il a accès à magnésium ça. Li gen doit prendre ou bien ka prendre glycinate malate ba comme ça mais magnésium oxide là li pas bien absorbé et même premier bagage que le ta ka fait ensuite gon l'autre bagage qui ba mal tête tout et gen des moun qui pas boire assez de l'eau par exemple pays tant quoi Haïti côté moun y a plein de suie ba comme ça ouais so, c'est pour ça pour ta faire li ta prend une semaine côté que on deux semaines comme ça côté que li élimine ces deux bagages que l'habitude manger pas vrai les changer habitude alimentaire là les gens doit aller si par exemple son monde qui a l'internet plein pile les gens doit aller di Google de elimination diet là pour montrer manger 10 à 12 manger qui le plus souvent que c'est eux même qui gien doit un facteur déclenchant par exemple de migraine des bails comme ça so l'a fait ça ensuite l'a make sure que le boit assez de l'eau l'a make sure que le prend magnésium and then regardez ça qui passe. OK. Merci beaucoup, docteur Sangos, pour belle présentation. Ça. Et vous prenez le temps pour répondre aux questions. Pour nous, nous allons nous dépasser l'heure. Donc, il y a Franz Charles qui dit merci pour belle présentation. Ça. Non seulement, ou pas non seulement un bon docteur, mais ou son bon professeur. Et il y a Stéphanie Cave qui dit merci beaucoup. Thank you very much, docteur Sangos. Li remercie équipe Haïti Education hein, son belle présentation, une très bonne initiative. Gen l'autre remerciement k ap tombe encore Michel en pile moun ap di merci. Donc m'a pral passer kon nan bay Rossini pour li ka conclure avec vous. Merci docteur Sangos. Merci. Merci Nadège, docteur Sangos, merci. Et n'a prend dernière ligne droite là un peu tard c'est vrai. Sauf que m'a fait remarquer l'introduction dans introduction et conférence là nous t'ai fait des remerciements à des monde bien spécifiques et n'a fini à un autre remerciement spécial et côté que ça nous garder là sous écran c'était affiche conférence Haïti du action des faits l'année dernière 26 octobre 2019 et l'homme de gain job pour me faire
affiche ça malgré tout ça ndé wel gen souli an. Tout ça souli honnête yo té collé. Donc c'est ton montage qui t'est fait. Et bien t'es resté presque bon 1h du matin pour me définir pour me défaire. Et je vous dis à un an plus tard, m'a un remerciement bien spécial à un jeune malgré le sous campus qui a préparé midterm ni là en bas en pile pression et qui est avec nous pendant plus que 2 heures là pour suivre présentation hein? Et c'est lui-même qui t'a préparé affiche ça avec nous jusqu'à presque 1h du matin n'a parlé de Gianna Bozil. Donc nous saluons lui, il est avec nous et nous acknowledge présence lui et n'a dit merci tout là travail qu'a fait là. Donc autant que nous capable nous impliquer jeunes tout. Et docteur Sangos et au bon bagage côté dit l'enfant ou dit dans commencement tout n'a mettons ti en phase zouli tout coûte avant nous bon mot de la fin hein? C'est partager information hein? Nous insister sur ça et nous te dit li crise sanitaire non seulement jodi a li mettez nous face à tête pas non mais li mettez nous face à responsabilité nous tout en pile fois nous connons une situation n'a déplorer des bagages qui pas intéressant la communauté nous plaignons nous dénoncer mais journée jodi a nous gagnons une opportunité extraordinaire. En tout cas, chaque grain nous avons une opportunité pour nous faire ça et relayer ça, c'est passage obligé moment. C'est ça, c'est toujours, mais je te dis, le plus difficile toujours, c'est solidarité. L'en partager information. Et dans ces yeux, si bien réalisé, bien réfléchi sur la question de solidarité, nous prenons compte que le cataclé en pile problème. Que qui a affecté nous de loin ou de près. Donc, continuez à inviter l'autre monde, continuez à aider qui est capable de venir tout, aider nous faire le travail que nous avons pour nous faire. Et l'émission, j'en nous dis, hein, non seulement disponible sur YouTube, et nous capable de prendre tout, si vous n'avez pas de loisir pour être sur vidéo, ou qu'à prendre sur www.radioolivier.com. Mercredi 1h 3h de l'après-midi, jeudi 10h du matin midi, samedi 7h du soir, 9h du soir. Toute émission Haïti Éducation yo, toute conférence passée sous plateforme Radio L'Olivier. Docteur Sangos, habitué de la maison, dernière ligne droite, mot de la fin, ni la main. Bon, et son plaisir, c'est un plaisir pour nous avec la communauté à Soya. Nous remercions Haïti Éducation encore pour l'opportunité ça que le ban nous pour nous participer dans l'éducation communautaire, parce que sans ça, nous n'avons pas capable de faire. Et nous parler de cancer du sein, ça nous a aimé que nous avons retenu, son maladie extrêmement complexe, et notre one size, c'est pas, one size does not fit all, chaque monde a un type bien déterminé, ce n'est pas qu'il est voisin d'eau, mais ça va être Bali, mais ce n'est pas de Bali. Ça, c'est un bagage qui est assez important. Et ça n'a pas mis accent encore pour nous finir, que nous avons répété. Il y a une nécessité comme si, à part de fait que nous avons nous mis que faut un team, pas vrai, que son team disease que lié, et nous quoi ça en pile, son team disease que lié. Mais nous avons aimé tout que, est-ce que une possibilité pour certaines organisations, et surtout par exemple l'Église, comme ça, est-ce que tu as un cancer support group? Parce que je pense que dans la communauté, nous avons besoin de cancer support group. Parce qu'il y a une culture, il y a toute une série de bagailles. Par exemple, il y a un monde qui est là, il dit que, est-ce que, par exemple, au sol, bon, il y a un paquet de bagailles, il parle de au sol. Mais je pense que le monde pense que, au cabal, il y a un monde pour prendre un bagaille naturel et pour pas jamais une évaluation pour vraiment quel type de cancer qu'on gagne. Donc, nécessité pour qu'on support group là, si que ça t'a apprendre, c'est deux bagailles, je souhaité aussi, je souhaité en pile. Parce que nous besoin pile que nous gagnions un fonds de solidarité pour les jeunes. Et ça ne va pas dire seulement pour les jeunes qui parlent de la médecine. Comme nous avons parlé de cancer, de bagarre comme ça, mais parler de médecins que nous pas gagnons parce que nous parlons de l'autre fil d'eau. Nous ne voulons pas aventurer, nous ne pas dire un bagarre que nous ne connaissons pas. Mais nous besoin un fonds de solidarité pour les jeunes parce que nous sommes dehors, nous n'avons pas qu'être jeunes qui haïtiens qui brillants, mais qui n'ont pas assistance nécessaire pour entrer côté pour entrer. Et leur même, ils ne peuvent pas entrer côté pour entrer à nous perdre. Ou bien si ils font des sacrifices énormes, ils ont que entrer pour contre eux, ils n'ont pas de bonne communauté, et bien nous perdons tout. C'est deux raisons qui font que nous perdons. Parce que leur ont besoin de nous pas là, et ou bien parce que nous pas de là et tout.
So ça, c'est important, nous fonds de solidarité pour les jeunes, pour nos cadres jeunes. Et deuxièmement, pour nous former un support groupe pour les malades qui font cancer en général et cancer du sein en particulier. C'est là que je m'apprête, c'est un plaisir encore pour nous d'avoir nous à soir. Merci, Dr. Sangos. Et nous, qu'on est mois prochain, nous allons trouver avec Detox 3. Et nous avons garanti que la question du Fonds de solidarité, nous avons agité avec une série de tables rondes que nous avons initié tout, que nous connaissons d'ailleurs, pour nous capables de faire plus d'activités, interactions et échanges avec la communauté. Merci beaucoup. Merci encore une fois à tout le reste monde qui était là, tout le monde qui avait nous aujourd'hui. Hein. Et nous souhaitons qu'on profite de la présentation. Hein. Et nous prenons rendez-vous dimanche prochain, 6h, et pour une nouvelle présentation. Dans l'intervalle, nous recevons le programme mois de novembre. Merci encore et bonne fin de soirée.